Salut les géologiques, ça farte? Ah, vraiment heureux de vous retrouver pour ce deuxième live avec plein de nouveautés et puis des invités, comme je vous ai dit, surprise. Or, comme d'habitude, Fabrice. Alors, Fabrice. Salut. 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 Comment tu vas? Je vais comme quelqu'un qui vient de manger une tartiflette. D'accord. Et oui, c'est ça. Voilà. Et ton poste de télé, il est réparé là? Tu me disais que tu avais quand même un gros problème. Si, je peux donner un poste de télé pour aveugle s'il y a besoin. Mais... Donc, tu as toujours le son? J'ai le son, voilà. Mais pas l'image. Son. Bon. Où il est notre JF, notre JF national, Jeff le chimiste. Comment va-t-il, Jeff? Salut. Ça farte? Bon, on n'entend pas JF. JF, t'es où? Il est où, JF? Ouais. Bon, JF. Et puis, nous avons notre petite voix. Alors, Loulou? Salut tout le monde. Comment ça va, tous? Impeccable, hein. Impeccable. Ouais. Bon, toi, tu fais toujours de la gratte? Ah bah ouais, plus que jamais. Tu vois, on fait une grosse répétition. Tu fasses de la pub pour ton groupe, là, quand même. Il s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Grand Lieu. Il est confiné depuis à peu près un an. Il n'a pas pu faire une scène depuis à peu près un an. Et on fait de la musique américaine, pop américaine, que des reprises. Toto, Steely Dan, Crosby, j'en passe, et des meilleurs. Enfin, voilà. D'accord, super. Merci pour la après, pub. Alors, voilà, Mathieu, bonjour. c'est un abonné et il m'a envoyé un mail pour nous proposer trois roches à déterminer. Alors Mathieu a des hypothèses sur ces roches-là. Alors vous voyez, si vous avez des roches à déterminer, si vous avez des questions à nous poser pour le prochain live. Eh bien, vous faites comme Mathieu, vous nous écrivez et puis vous passerez à l'antenne, si je puis dire. Alors Mathieu, quel est ton lien avec la géologie? C'est une passion qui date du lycée, sinon dans mon quotidien, je n'ai aucun lien avec les géologies. Mais sinon, c'est un prétexte pour faire des randonnées, et ça depuis le lycée. D'accord. Et puis notre deuxième invité, c'est Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonsoir tout le monde, salut les géologues. Benjamin qui va nous présenter. Ah. Ça bug. Polos. Pendant qu'on a perdu Yves. On a perdu Yves, voilà. Il revient. Ah là là, reviens Yves. Bon, allez, il est temps de passer au sommaire de cette émission. Alors, le sommaire. Ah bah oui, si je ne partage pas mon écran, ça va. Voilà, je stream, hop, partager, et c'est parti. Voilà. Alors, le sommaire ce soir, vous allez voir le bandeau. Alors, dans un premier temps, les actualités du mois avec l'atterrissage sur Mars. Alors, Fabrice, je vais te montrer parce que là, t'es en train de jouer là, hein. Alors, t'es en train de jouer à quoi là? Vas-y, Fabrice. Fabrice, il est. On va se mettre comme ça. Voilà. Désolé pour les autres, je vais pour l'instant remove. Benjamin aussi, Loulou, et puis je vais mettre Fabrice. Alors, tu faisais quoi par rapport à l'atterrissage sur Mars, là? Montre-moi, oui. C'était l'anniversaire de ma fille, là, la petite dernière, et elle adore les planètes, tout ça, donc je lui ai fabriqué une fusée en bois, voilà. Alors, pourquoi on ne parle pas d'amarrissage, ou d'amarcissage, ou... Eh ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on utilise atterrissage. Deuxième actualité, c'est sur la datation absolue de la diagénèse des carbonates. Voilà. Dans un deuxième temps... d'accord. Oh, passer d'un truc à l'autre. Des abonnés m'avaient demandé de faire au cours du live
soit des expériences, des petites expériences de géologie, soit de faire un peu d'histoire des sciences au niveau géologie. Eh bien, ce soir, j'ai choisi Alcide d'Orbigny. Alcide d'Orbigny, il a fait une œuvre monstrueuse. Et nous verrons que les foraminifères, donc quel est son apport sur les foraminifères. Fabrice nous présentera le minéral du mois, l'or du fou. Certains ont déjà reconnu la pyrite. Ensuite, Fabrice, tu vas nous présenter quoi, là ? Oh bah, c'est assez simple. C'est, en fait, je passe mon temps sur... quand je ne suis pas sur le terrain, j'adore aller sur voir les images des photos aériennes. Et en fait, quand on regarde les photos aériennes qui sont disponibles sur Géoportail, Infoter ou Google Earth, on voit énormément de choses. Et là, je vais vous montrer la pointe de Chassiron qui se situe à l'extrémité la plus au nord de l'île d'Oléron. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a. Voilà. Parce qu'il y a des choses jolies et on va essayer de les interpréter. Voilà. D'accord. Ensuite, le métier du mois avec Benjamin. Benjamin qui est ingénieur géotechnicien. Et c'est Loulou qui fera... Ouais, toujours là, Lou. Je suis toujours là. Avec Benjamin, qui fera l'interview de Benjamin. Ça va être une interview rock'n'roll, je crois. Hein. Ah, non. Je pense. Mais non. Bon, allez, hop. Et les livres du mois. Alors, un que je présenterai sur les systèmes cristallins, comment les reconnaître, et ceci à l'œil nu, et je trouve ce petit livre, c'est un tout petit fascicule, génial. Et Fabrice, tu vas nous présenter quoi comme livre, Fabrice ? Bon, moi, en fait, j'adore la BD, et là, je suis tombé sur une petite perle, ça s'appelle La malédiction du pétrole. Ça fait un peu peur, mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà. D'accord. Tu vas nous présenter une métaphore, il paraît que tu utilises beaucoup les métaphores en géologie. Les étudiants qui doivent t'écouter, ils doivent le savoir. Oui, bah, ça dépend de l'heure à laquelle on fait le cours, mais c'est vrai que la cuisine... En fait, ce qu'il faut, quand on parle de choses bizarres, c'est de faire référence à des choses qu'on connaît. Donc, tout le monde connaît un paquet de crêpes. Bah, je vais vous montrer des cailloux qui ressemblent à un paquet de crêpes. Voilà. D'accord. Et puis, nous terminerons par les roches du mois à... déterminer ou en tout cas à confirmer les hypothèses qu'a formulées Mathieu. Voilà, bon, on démarre par les actualités. Les actualités, comme je vous ai dit, donc amérissage, voilà. Il faut que je joue avec tous les boutons, hein. c'est pas toujours simple. Voilà. Allez, hop. Et je vais mettre avec Jean-François. Jean-François. Alors Jean-François, il est là. Hop là. Ouais, j'ai eu une petite coupure de réseau tout à l'heure. Tu as eu une coupure de réseau ? Ah, ouais, bon, ouais. Alors, mais actualité... du coup, je vous dis salut à tous. Alors, faut savoir, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui, Jeff ? Faut quand même le... Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je suis papy depuis 4 heures. Oh la vache. Donc tu t'appelles Papy Jeff, petit... hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Maintenant, c'est plus Jeff le chimiste, c'est Papy Jeff. Papy Jeff. Comment elle s'appelle ? Une petite Aria. Aria. Super, ouais. Allez. Et qui est magnifique. C'est la plus belle. On y va avec l'atterrissage sur Mars du rover Perseverance. Et comme instrument, vous trouvez dessus la Supercam, qui est une fabrication d'une équipe française, mais pas que, il y a une équipe aussi américaine et espagnole. Et cet atterrissage a eu lieu le 18 février. Alors, 7 minutes de terreur avant l'atterrissage du rover, parce que pendant 7 minutes, eh bien, l'homme, les équipes au sol, sur Terre, n'ont plus du tout la main. Et s'il se passe... Eh bien, s'il y a une erreur, ils ne peuvent pas la corriger. Alors, je n'ai pas résisté à vous montrer quelques images de l'atterrissage de Perseverance.
Largage du bouclier thermique maintenant, qui permet de protéger le rover de l'atmosphère, qui est très mince, mais elle existe quand même. Identification de la position par radar et système optique. Et là, on voit le cratère G0. C'est magnifique, hein. c'est du sublime. Hein. Pas vrai, JF ? Qualité, oui, c'est fabuleux, ouais. Qualité d'image. Et voilà, il va être largué. Voilà, le rover est largué au sol, téléporté au sol. Et vous voyez les rétrofusées, là. Voilà, c'est du sublime. Et tout ça à 75 millions de kilomètres de la Terre. 75 millions de kilomètres de la Terre. Ouais, belle perf, les gars. Et là, vous avez le premier 360 degrés de la caméra qui se trouve sur le rover Perseverance du cratère G0. Alors, un petit rappel sur cette quatrième planète tellurique du système solaire. Bon, elle comporte un sol, elle a une atmosphère très, très mince, 61 fois inférieure à celle de la Terre. Elle est deux fois plus petite que la Terre. La température moyenne est de moins 60 degrés. Et elle se situe à 75 millions. Alors, 75 millions, ça peut varier parce que ça peut être 75 millions à 400 millions de kilomètres. Ah oui, ça dépend. La place de Mars et de la Terre, à un moment de l'année, ne se trouve pas obligatoirement l'un en face de l'autre. Ça correspond par rapport à leur orbite. Ce qui fait que pour lancer un rover ou un vaisseau spatial vers Mars, ça ne peut se faire que tous les 22 mois. Quand il y a alignement pour économiser le plus d'énergie possible. Tu as autre chose à rajouter sur Mars, à part Planète Rouge? Est-ce que Jeff, tu as des choses que... Non, je te laisse. On se rappelle très rapide. Ouais. Très rapide. Hein. Voilà. J'ai plein de trucs, mais... Voici le cratère G0, ici. Vous avez les autres points... où il y a eu déjà des explorations par des rovers, Viking, Opportunity. Vous n'avez pas curiosité, là. Voilà. Puis ça, ce sont des sites géologiques assez remarquables. Je pense qu'ils ont été non explorés, mais vus par un orbiteur. Quoi. Voilà. Le cratère G0, c'est 45 km de diamètre. C'est un cratère d'impact. Alors pourquoi ils ont choisi ce cratère d'impact? C'est quand même incroyable cette affaire. Allez, je vous laisse regarder l'image, c'est beau ça. Alors ça a été pris par un orbiteur, et avec des images particulières, sans doute des longueurs d'onde particulières, moi je ne sais pas comment ça a été traité. Vous voyez donc les bords du cratère ici. Vous avez une rivière qui arrivait... à cet endroit-là, qui se terminait par des ramifications. Donc on est au niveau là d'un delta. Et ce delta, il date de 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années. Et l'existence de ce delta, la durée estimée est de 400 000 ans. Voilà. C'est beau, hein. Donc vous avez des sédiments fossiles ici, des argiles. Ils espèrent aussi des carbonates. Voilà. Et pourquoi ils ont choisi ce cratère? Parce qu'ils recherchent en fait des traces de vie. Et sur Terre, les traces de vie, de matière organique, on les trouve bien dans les sédiments argileux. Je ne sais pas ce que tu en penses, je vais donner la parole à Fabrice. Qu'est-ce que tu penses de cela, de ce choix de cratère par rapport aux sédiments?
On n'entend pas ton son. Allez, je vais alors continuer. Moi, la seule chose que je connaisse de Mars, c'est Chronique martienne. Voilà. D'accord. Okay. Et je ne sais pas si on va dire la marsologie, du coup, parce que la géologie, c'est pour la Terre. D'accord. On va dire la marsologie, la lunologie. Bien. L'objectif principal de la mission du rover Perseverance, c'est de rechercher des traces de vie et de ramener des cailloux. De ramener des cailloux, et ils ramèneraient les cailloux vers 2031. Et pour l'instant, ils ne savent pas comment, d'ailleurs. Parce qu'il faut faire atterrir une fusée sur Mars et ramener les cailloux. Et les cailloux, dites-moi, là, vous qui regardez le live, dites-moi quelle est la quantité de cailloux, allez, en kilos, maximum qu'ils peuvent ramener. Qu'il ramènerait. Ah ben, il y a Julien. Julien, salut Julien. Alors, combien de kilos pourrait-il ramener? Bon. Eh bien, ils ne peuvent ramener que 1 kilo, pas plus. 1 kilo. Paquet de sucre. Bah moi, quand je vais, Fabrice, quand on va sur le terrain, on ramène bien 2-3 kilos de roche. Oui. Ouais, c'est ça. Allez, et bien, eux, de Mars, ils vont en ramener. Et quand tu vas à Milos ? Alors, inférieur à 1 gramme. Ah, inférieur à 1 gramme. Là, non, c'est pas plus de 1 kilo. Bon, je résiste pas, ça dure 4 minutes. Mais c'est tiré de l'épisode 4 du podcast de France Info. Mars, la nouvelle odyssée à la recherche de la vie. Et donc, ils interviewent un chercheur du CNES qui a travaillé sur la Supercam. Là. Voilà. Je fais ça grâce à mon téléphone. J'espère que ça va fonctionner. Allez, c'est parti. Je me tais. Bonjour, je suis Olivier Aymon. Dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle odyssée, nous avons découvert ce nouvel appétit politique et scientifique pour la planète rouge. Montons maintenant à bord d'un des derniers aboutissements de cette recherche internationale, Perseverance, la nouvelle voiture bardée d'instruments prête à arpenter le sol martien. Et nous sommes toujours avec Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Là, c'est où il y a tous les éléments. Je dis, est-ce que je peux faire une chimie avec autre chose? Non. Désolé, j'avais coupé. Excusez-moi. Bonjour, je suis Olivier Aymon. Dans l'épisode précédent de Merci Mars, pour vos commentaires. Lycée, nous avons découvert ce nouvel appétit politique et scientifique pour la planète rouge. Montons maintenant à bord d'un des derniers aboutissements de cette recherche internationale, Perseverance, la nouvelle voiture bardée d'instruments prête à arpenter le sol martien. Et nous sommes toujours avec Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Mars, la nouvelle odyssée, épisode 4, à la recherche de la vie. On a du mal à croire aujourd'hui qu'il y ait de la vie sur Mars. C'est-à-dire qu'à la surface, on est en dehors de ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité. Mais d'ailleurs, il faut définir la vie. Et c'est ça qui est compliqué dans cette question, c'est quoi la vie? Alors, les gens nous reprochent souvent de chercher la vie qu'on a sur Terre. Et c'est vrai, on est un peu biaisé. Ceci dit, il y a des lois de la physique et de la chimie qu'on connaît très bien. Et partant de cela, on sait
que la vie est sur un atome particulier, c'est l'atome de carbone. Parce que c'est le seul qui va faire des molécules super complexes. Ou bien la vie, c'est deux petites molécules qui se battent en duel, alors là c'est vrai, on n'a rien compris. Mais n'empêche que tout ce qu'on trouve de vivant est sur la base d'un seul élément, qui est la chimie du carbone. Une chimie qu'on appelle la chimie organique. Après, je regarde mon tableau de Mendeleïev, là, celui où il y a tous les éléments. Je dis, est-ce que je peux faire une chimie avec autre chose? Non, l'azote, non, il y a trois liens, ça marche pas bien, ça fait des petites molécules. Ah, s'il y en a un qui pourrait être sympa, c'est le silicium. Après, quand je regarde ça, je dis, bon, la vie, c'est probablement du carbone, ça peut pas être autre chose. Donc, la chimie du carbone, chimie organique, je vois un peu comment ça se développe. Bon, il me faut des éléments, moi je vais les appeler les schnops, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre, et ça fait à peu près, ça vous fait vous. Je vous rajouterai peut-être un peu d'autres choses, du potassium, du calcium si vous voulez, mais les schnops c'est vraiment la base de la chimie organique. Donc j'ai mes éléments, je sais aussi que si j'ai mon carbone ici, si j'ai mon oxygène, mon azote, s'ils se regardent les uns à un mètre l'un de l'autre, ça va pas avancer, il faut que je les mette ensemble, les approcher. Pour faire une réaction chimique, ça nécessite un solvant. Et le solvant de la chimie organique, c'est de l'eau liquide. Et puis l'eau liquide, je connais les conditions de pression, de température, donc je connais plein de choses. Et à la fin, je sorte de loi universelle qui dit, bah, s'il y a de la vie, ça doit démarrer par les conditions de l'habitabilité, donc cette fameuse eau liquide, pas trop salée, etc. Et puis après, probablement laisser du temps pour qu'on parte sur des molécules assez simples, qui deviennent de plus en plus compliquées, jusqu'à former un jour une cellule, et puis après un noyau. Et on le sait, parce que ça a marché sur la Terre. C'est ça qui est bluffant, c'est que ce schéma de la vie, on l'a sur Terre. Mars, au départ, c'est la Terre. C'est-à-dire c'est une planète qui est formée par accrétion. Donc il y a plein d'éléments qui tombent, plutôt rocheux. Certains apportent de l'eau s'ils viennent des comètes, d'autres apportent un peu de carbone, etc. Et puis c'est très chaud, et la planète se refroidit. Quand elle se refroidit, elle se construit une atmosphère. Il y a un peu de densité, il va y avoir de l'eau à la surface. Donc Mars démarre exactement comme la Terre. On a les mêmes éléments. Malheureusement, la planète est petite, elle va perdre son atmosphère, son champ magnétique, et puis tout va s'arrêter. Elle se gèle dans son passé. Et c'est ça qui rend Mars intéressante, parce que le premier milliard d'années, c'est le même. Et puis ça s'arrête. Et non seulement ça s'arrête, mais ça se gèle. Et donc j'ai une photographie de la Terre ancienne. Et j'ai vu avec Curiosity qu'il y avait ce qu'il fallait normalement pour l'habitabilité. Mais je sais déjà que si c'est allé jusqu'à une vie un petit peu développée, à l'exemple de ce qu'on avait dans le premier milliard d'années sur Terre, c'est extraordinairement ténu. On va se retrouver avec des bactéries, ce qu'on appelle même des matelas de bactéries. Et donc ces bactéries, elles ont vécu. Qu'est-ce qu'il en reste 3 milliards d'années après ? La Terre nous montre que les traces seront très 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 ténues. Donc on a deux choix. Je vais sur place ou bien je les trouve. Ça va être dur, hein. Parce que c'est des pouillèmes de quelque chose dans un coin qui, plus est, ont survécu pendant sous forme de... Alors, c'est pas des fossiles à ce stade-là, ça s'appelle des biominéraux. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Prenons une poule. Une poule fait un œuf. La coquille d'œuf, c'est un minéral, hein. C'est pas organique. N'empêche que c'est produit par une poule. C'est un biominéral. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Pour moi, mes bactéries, on va voir quelles traces minérales elles ont laissées dans la roche. Et quand j'ai dit tout ça, les gens disent, bah dis donc, vous allez chercher un truc qui est vraiment pas facile à trouver. Déjà, sur Terre, on a du mal, bon, parce qu'il y a l'érosion. Donc, on va vous donner deux stratégies. Vous avez droit à deux cartouches. La première, c'est sur place. Au cas où vous êtes vraiment bon, bah, vous allez trouver des traces de vie sur place. Donc, on a équipé notre rover Perseverance d'instruments qui, potentiellement, peuvent trouver des traces de vie. Et c'est pour ça qu'on se pose sur le site qu'on a appelé G0. Oui, G0. Qui est le reste d'un ancien lac. Exactement, parce que la vie, il faudrait non seulement qu'elle se développe, et on sait que les endroits privilégiés, ben je vous l'ai dit, c'est là où il y a de l'eau liquide, et puis c'est là où l'eau stagne, et éventuellement, ensuite, ça s'appelle la taphonomie. La taphonomie, c'est la préservation de la matière organique. Et là où ça marche le mieux, c'est dans les sédiments. Donc les sédiments fondent. Voilà. Bien. Moi, je vous engage franchement à écouter, il y a 8 épisodes sur l'Odyssée de Mars, et c'est passionnant, passionnant. Alors, quels instruments ils embarquent pour essayer de trouver ces biosignatures-là ? Alors, voici notre astromobile, Rover Perseverance, qui a été lancé le 30 juillet 2020 et qui a atterri le 18 février 2021. Le voyage, ça demande quand même entre 6 et 7 mois. Hein.
Voilà. Et voici la Supercam, instrument de mesure développé par les équipes États-Unis, France et Espagne. Alors, Jeff, je donne la parole à Jeff. Voilà. Alors, vous, il y a trois techniques de spectroscopie, ouais, dont la spectroscopie LIBS. BS. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette technique de spectroscopie ? Ben écoute, je découvre ton schéma, mais je trouve qu'il est pas mal fait, il est pas mal fichu pour nous aider à ça. Alors d'abord, la Supercam, c'est un peu la nouvelle génération de la ChemCam qui était embarquée à bord du rover Curiosity. Donc la ChemCam, elle permettait de faire, il y avait déjà un LIBS qui permettait, donc c'est un laser de spectroscopie à plasma qui permet de faire de l'analyse atomique de la roche. C'est-à-dire qu'en gros, le laser pulsé permet de faire passer le matériau de l'état solide à l'état plasma. Et une fois que la matière est en plasma, eh bien, on regarde un petit peu, on analyse la lumière qui est émise par ce plasma. Et finalement, le spectre qui est obtenu, alors là, je vois que donc cette lumière émise, elle est focalisée par un ensemble de lentilles, et puis ensuite, il faut un système dispersif pour essayer de trouver, enfin, de décomposer la lumière et d'en obtenir le spectre. Et donc, le spectre qui est obtenu, bah, finalement, c'est un peu la signature des atomes qui constituent la roche, quoi. Donc, d'accord. Cette technologie, elle existait déjà sur le rover précédent. Et elle permet de faire, encore une fois, de l'analyse atomique, de la composition centésimale. Étant donné qu'on cherche des traces de vie et un peu de chimie organique, c'est vrai que la Supercam, donc, qui est un peu la nouvelle génération là, qui a été embarquée sur ce nouveau rover, elle intègre deux autres types d'analyses. Qui sont la spectroscopie Raman et l'infrarouge. Voilà. Donc ces deux techniques-là vont permettre d'obtenir une meilleure connaissance de la composition moléculaire cette fois-ci. D'accord. Et éventuellement trouver de la matière organique. Oui, c'est ça. Et ces trois spectroscopes vont permettre d'analyser donc les roches, de connaître leur composition atomique et également les liaisons entre ces atomes, mmh, avec les deux autres techniques de spectroscopie. Ouais, c'est-à-dire que le LIBS permet uniquement de connaître les différents éléments chimiques, les atomes, et éventuellement leur composition, mais on détruit tout, en fait, hein, on détruit toutes les liaisons. D'accord. Alors que effectivement, en spectroscopie Raman ou en infrarouge, oui, on va pouvoir analyser les liaisons chimiques entre les atomes et du coup, les types de molécules existants. Et vous comprenez que s'ils peuvent ramener qu'un kilo sur Terre... Il y a intérêt à bien choisir. Donc, ces instruments sont là pour... déterminer quelle roche va être amenée, quoi. Mmh. Voilà. Et puis, je vais donner la parole à Loulou, parce que c'est Loulou qui m'a fait découvrir tout ça quand même sur Mars, là. Merci, Loulou. Hein. Parce que tu m'as parlé du troisième, d'un des instruments qui est un laser. Le microphone. Qui est un laser. Voilà, un microphone qui est jumelé au laser et qui va pouvoir enregistrer les bruits d'impact, deuxièmement. Et je crois qu'il y a un autre intérêt à ce microphone très très précis de pouvoir mesurer les bruits d'impact, c'est-à-dire la consistance des roches en l'occurrence qui vont leur être touchées. Dureté, ouais. Voilà, mais il y a également une question de mesurer également l'atmosphère, puisque le son selon la densité atmosphérique n'est pas le même, Jeff l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais donc c'est également des paramètres qui vont permettre de mesurer également l'impact de l'atmosphère martienne par rapport au son en lui-même. Donc. Mmh. Tout à fait. Et la NASA... Bah déjà, ramener des sons extraterrestres, c'est déjà pas mal. C'est ça. aller enregistrer du bruit sur Mars. Ouais, tout à fait. Ouais. Bien. Bon, avez-vous des questions? Je lis vos commentaires
Alors, bonsoir à tous. J'espère qu'ils avaient de quoi s'occuper pendant le voyage. Alors, bon, pour l'arrivée d'hommes sur Mars, par rapport au podcast que j'ai écouté, c'est prévu en 2040. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même 7 mois pour y aller. Et après, ils ne peuvent pas en revenir avant 12 mois, puisqu'il y a la fenêtre des 22 mois, quoi, pour retrouver. Donc, voilà, ils ne sont pas sûrs de revenir. Ça fait un super confinement. Oh la vache, ouais, dis donc. Ouais, mais, c'est les Christophe Colomb du 21e siècle. Allez, on passe à la deuxième actualité, mais en fait, je vois qu'il est 21h30, on a déjà passé presque une demi-heure sur la première actualité. Ouais. Non, je vais passer à la suite, parce que ça va être... Il va y avoir trop de choses et on ne va pas terminer à l'heure. Alors, je reprends le sommaire. Je regarde si vous avez d'autres questions. Alors, attention à vos feuilles. Je vais couper Jeff et voilà. Et Loulou, voilà. Donc, le jeu lag du mois. Mais il y avait des questions slam. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis débutant en géologie. Un conseil, je suis... Oui. Alors, par rapport au conseil, là, le live, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour vous donner des conseils au cours de vos études. Là, les questions, et on en attend bien sûr, ça correspond au point que l'on va développer. C'est-à-dire qu'ici, Mars, si vous avez des questions sur Mars, sur Rover, oui. Si vous avez des questions sur Alcide d'Orbigny, oui. Les autres, malheureusement, non, on ne peut pas répondre à chaque fois au conseil de suivi universitaire et tout, je suis désolé. Par contre, vous allez avoir la présentation d'un métier, là. D'ingénieur géotechnicien, et là je pense que ça peut être intéressant, et là vous pouvez poser vos questions, mais non, je répondrai pas, voilà. Mais bienvenue hein, d'Algérie, super, dans le live. Allez, je suis où là, voilà, allez. Voilà. Alors je sais pas si vous avez entendu parler d'Alcide... de Saline d'Orbigny, 1802-1857. Alors, je prends qu'un point de tous ses travaux. C'est le père de la micro-paléontologie. Nous sommes donc au 19e siècle. Alors, je me suis aidé et je veux rendre hommage à cette personne. C'est Marie-Thérèse Vénec-Perret qui a publié Histoire des sciences. Deux articles sur la vie et l'œuvre d'Alcide d'Orbigny, et puis deuxième sur les travaux micro-paléontologiques d'Alcide d'Orbigny, publié en 2002. Et cette personne, cette dame, travaille dans le laboratoire de paléontologie UMR, Muséum national d'histoire naturelle, à Paris. Alors, notre Alcide. Alcide, il naît donc en 1802 dans une petite ville qui s'est située à l'ouest de Nantes. Il est né à Couëron, voilà, qui est un village qui est situé sur le bord de la Loire. Et vous avez un lycée, le lycée de Boye, qui porte le nom. C'est le lycée Alcide d'Orbigny, enseignement général et technologique. Alors son père, il est médecin de la marine et il est passionné de sciences naturelles. Et il emmène souvent ses enfants sur le littoral là, de l'Atlantique, et il va les initier au microscope optique. C'est-à-dire qu'il ramasse du sable et il regarde le sable au microscope optique. Voilà. Voilà d'où vient quand même une passion, et Alcide va se passionner pour de toutes petites coquilles minuscules qui font moins de 1 mm qu'on trouve dans les sables et qui sont considérées à l'époque comme faisant partie des mollusques céphalopodes. Alors voilà ces minuscules coquilles là. Vous voyez qu'il y a vraiment des formes différentes. Et bon, ça peut dépasser 1 mm, mais c'est exceptionnel. La plupart font 1 mm et moins, de l'ordre du micromètre.
Et pour cela, eh bien, il faut les regarder avec une bonne loupe ou alors avec un microscope. Eh bien, le père de Charles, le père d'Alcy qui s'appelle Charles, qui est médecin de marine, eh bien, va l'initier à ses observations, quoi. Voilà comment peut naître une passion, une culture familiale. Voilà, et puis son père va être nommé en 1815 à La Rochelle. Et lui, dans le port de La Rochelle, bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander aux médecins, aux autres médecins de marine, et puis aux officiers qui vont dans le monde entier, et ben de leur ramener des sables. Et il va se mettre à observer les sables du monde entier et observer ces minuscules coquilles. Et il s'aperçut très vite, en fait, que... Alors voilà tous les sables de sa collection, qui se trouvent encore au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et puis vous avez les premières esquisses des foraminifères dessinées par Alcide d'Orbigny, jeune. Voilà, déjà c'est un bon dessinateur, un bon observateur. Et il voit tout de suite que si c'était un céphalopode, il y aurait un siphon. Il ne voit pas de siphon. Et il voit une loge ou plusieurs loges. Et puis ces loges sont trouées. Voilà. Par contre, il ne sait pas encore que c'est occupé que par une seule cellule. Voilà, que c'est un protozoaire. C'est Dujardin en 1835 qui fera cette observation. Et il va faire, à l'âge de 23 ans, il va publier un article dans les Annales des sciences naturelles en 1826 sur la classification des foraminifères. Alors, comme c'est... petites coquilles ont des trous. Les trous, en latin, ça se dit foramen, d'où le mot foraminifère. Voilà. Et il va, dans cet article-là, il va recenser environ 600 espèces différentes. Il va en faire des planches et il veut tellement communiquer qu'il va sculpter certains foraminifères dans du calcaire très dur. Et ces foraminifères là, sculptés dans le calcaire là, reproduits dans le calcaire, sont grossis à peu près 40 fois. Après, il va faire des répliques en calcaire pour les diffuser dans les différentes sociétés de sciences de France. Voilà. Alors, je voudrais entendre un peu Fabrice là-dessus. À l'heure actuelle, on est à combien d'espèces de foraminifères ? Alors dans le fossile, c'est énorme hein, parce que ça commence hyper tôt dès le Paléozoïque. Actuellement, on a Alors, il y a beaucoup moins d'espèces parce que ça dépend de l'endroit où ils vivent. Les plus nombreuses sont ceux qui vivent sur le fond des sédiments, soit à la surface, soit dedans. Voilà. Donc, un petit mot supplémentaire pour Alcide. Oui. Là. Oui. Il n'a pas fait que les forums, hein, il a fait tout un tas d'autres choses. C'est un pâle. Ouais. Oui, mais tu verras aussi. Je vais dire ça. Ouais, je vais dire ça un peu plus loin. Alors, je te demandais combien actuellement. J'ai pas fini, hein. Je voulais juste te donner la main. Tu m'avais dit 20 000 espèces à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, 20 000 Moi, j'en connais 500 à peu près. 500. C'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Après, on ne sait pas tout sur les forums. Mais tout à l'heure, tu as parlé de Mars. Là, il y a une équipe de Nantes qui travaille sur Mars. Et puis, pour les forums, il y a une équipe angevine qui travaille sur les forums, mais plus sur les foraminifères actuels, pas les fossiles. Ouais, c'est un ça. Peu ceux qu'étudiait Alcide d'Orbigny. Et puis, voilà. Sur des sondages océanographiques ? Oui, entre autres, mais entre également autres. Ceux qui vivent au bord de la mer, parce qu'il y en a, dans les zones littorales, il y en a dans les plaines abyssales, il y en a dans les zones hyper profondes. Mmh. Et puis, il y a une exposition qui devait avoir lieu au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, sur les foraminifères. Tout est prêt. Mmh. Tout est prêt pour accueillir le public. Il ne reste plus l'autorisation pour que Covid oblige, on puisse accéder à ça. Mais donc, si vous voulez en savoir plus sur les forums, en abréviation on dit forum, hein, foraminifères, eh bien, rendez-vous au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers dès que ce sera possible d'y aller. Voilà. Exactement. Bien, je reprends la main. Hop là. Donc à 23 ans, cet article-là dans les Annales de Sciences fait grand bruit et il est reconnu par des autorités de l'Académie des Sciences et des autorités du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui est dirigé par Georges Cuvier.
Et il est nommé, à 24 ans, il est nommé voyageur naturaliste. Et il va aller étudier plus de 10 ans, on va l'envoyer en exploration pour faire de la zoologie, de la botanique, de la géologie en Amérique du Sud. Il va faire ça pendant 11 ans. Voilà tout son trajet. À son retour, il va s'intéresser aux foraminifères actuels, mais aux foraminifères fossiles. Et il va publier en 1840, dans les mémoires de la Société de géologie, il va publier les mémoires sur les foraminifères fossiles de la craie blanche du bassin parisien. Et je vous lis ce qu'il y avait en introduction de ce mémoire-là. Il dit, et c'est la première fois que c'est cité l'importance des foraminifères pour classer les terrains les uns par rapport aux autres. L'étude comparative des foraminifères fossiles de toutes les couches, donc là il est dans le bassin parisien, au niveau de la craie, nous a prouvé un fait important pour la géologie, c'est que chacune d'elles a ses espèces caractéristiques, chaque couche, qui servent toujours à la faire reconnaître, dans quelques circonstances que ce puisse être. Et ces petites coquilles étant infiniment plus communes que celles des mollusques, l'application qu'on peut en faire est d'autant plus certaine et devient extrêmement intéressante. Voilà. Donc, pour la géologie, il est vraiment le père de la micro-paléontologie. Et ça a des conséquences. Quelle a été la portée actuelle de ces travaux? La portée actuelle de ces travaux, je pense que Fabrice peut en parler, dans la recherche pétrolière, je vais donner la parole à Fabrice, dans la recherche pétrolière, dans l'analyse biostratigraphique de nombreux sondages océaniques, et puis à l'heure actuelle, pour décrypter l'évolution du climat. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, c'est vrai qu'initialement, les foraminifères, ont surtout été étudiés pour dater les roches, parce que ce sont d'excellents fossiles stratigraphiques, mais également pour retrouver les paléo-environnements, ce qui permettait de localiser, par exemple, des gisements de gaz, de pétrole. Voilà, il y avait une application derrière tout cela. Actuellement, on va dire que les gisements de pétrole sont quasiment tous identifiés, et il y a des petits changements aussi. Donc maintenant, les gens qui étudient les forams ne le font plus trop pour la recherche pétrolière ou pour dater les roches, mais plus pour utiliser ces organismes comme marqueurs paléo-environnementaux, voilà, et actuels ou récents, et également pour essayer de caractériser la qualité du milieu dans lequel ils peuvent vivre, donc la qualité de l'eau de mer, par exemple. D'accord. Alors, j'ai des questions sur lesquelles tu vas peut-être pouvoir répondre. J'ai une question de Stan qui dit « Les foraminifères sont surtout retrouvés dans les calcaires ?» Alors, les forams, on peut les retrouver dans tout type de sédiments. Après, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de foraminifères en fonction de leur coquille, leur taie, on appelle ça un taie. Et c'est vrai que majoritairement, ce sont des formes carbonatées qui se préservent bien. Mais on peut en trouver dans les sables où il n'y a pas forcément foison. On peut en retrouver dans des grès, par exemple. Mais c'est vrai qu'ils sont très fréquents dans les carbonates, mais surtout les carbonates de milieu marin. On ne va pas en retrouver dans des calcaires lacustres, par exemple. D'accord. Il y a quelqu'un qui pose, c'est cela qu'on appelle la chronostratigraphie. En tout cas, les foraminifères peuvent participer à cette chronostratigraphie. En fait, ce sont des fossiles stratigraphiques, mais c'est de la stratigraphie relative. C'est-à-dire qu'on sait que tel assemblage de forams ou telle bestiole va caractériser un étage bien particulier. Voilà. Donc c'est, par exemple, tu connais les numulites Oui, tout à fait. Voilà. Tu te rappelles, Jeff, on était allé voir ça dans le sud de la France. Oui. Ouais. Normalement, quand tu trouves des numulites, voilà, tu es banco, tu es dans l'Éocène. Oui, c'est voilà. Ça. Exactement. Ok. Bien, je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Et puis je termine, puisque tu l'as évoqué, les autres travaux de d'Orbigny, mais j'en cite que un. Il y a un biographe, j'ai oublié son nom, d'Alcide d'Orbigny, là, son biographe disait que, en fait, pour faire sa biographie, c'est comme si on faisait la biographie de six savants. Tellement il a fait de boulot, quoi. C'est un boulot énorme. Je termine juste sur un travail qu'il a fait. Il est quand même responsable de 9 étages, quoi. 9 étages. À la période jurassique, 5 étages sur un total de 11, dont le Toarcien, qui est le plus proche de nous comme stratotype.
Et puis, à la période Crétacée, quatre étages, l'Aptien, l'Albien, le Cénomanien et le Turonien. Quoi. Voilà. Bah, chapeau, quoi. Incroyable, ce gars-là. Incroyable, incroyable, incroyable. Voilà, mais il avait que ça à faire, le gars. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, attends, je vais donner la parole à Loulou, là. Qu'est-ce que tu penses d'un gars comme ça, Loulou, un gars qui ne regarde que des coquilles? Brillantissime. J'en connais un autre qui se casse la gueule parce qu'il a toujours le nez par terre quand on se promène ensemble. C'est Yves d'ailleurs. Il est incapable de marcher normalement en regardant devant lui. Il faut absolument qu'il ait un labrador à la main droite et puis un mec qui le tient à la main gauche parce que sinon il a le nez par terre. Non, c'est très très beau. En plus, il a un côté, c'est ce que je mettais, poète romantique de la fin du 19e, là, genre Lamartine, Musset, etc. Sur la photo, il est classe. Hein, Alcide, wow. Ah, il est classe. Hein. Ouais, bien. Très bien. Bien. Yves, si tu veux, j'ai eu l'occasion de... tiens, si tu mets un partage d'écran, tu mets mon écran, tu verras. Je te mets quelques illustrations liées à Alcide d'Orbigny. Donc, à La Rochelle, il y a la rue Alcide d'Orbigny. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais, c'est bon. Ah, d'accord. Oui, on voit très bien. On voit très bien. Voilà. Ça, c'est la maison où a vécu Alcide d'Orbigny. C'est à Hénande. C'est dans le 17. Voilà, et donc tu as un petit truc sur sa porte là. Dans cette maison a vécu de 1816 à 1820, c'était un mardi, Charles-Marie Dessalines d'Orbigny, major de la marine naturaliste, né en mer et décédé à La Rochelle en 1856. Voilà, une illustre famille. Et il y a sa rue d'Orbigny, bien sûr. Tout ça, c'est dans le coin. Et enfin, si tu vas au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et j'incite tous ceux qui écoutent là, d'aller au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et bien, si vous regardez sur les frontons, et bien là, il y a le nom d'Alcide d'Orbigny, voilà, qui apparaît. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce qu'on considère cela comme du plancton, les foraminifères, ou pas? Alors, c'est du zooplancton, pour ceux qui vivent dans la tranche d'eau. Hein, sinon, c'est du zoobentos, c'est-à-dire c'est ceux qui vivent au fond. D'accord. Et en effet, il y a des espèces qui vivent dans la tranche d'eau, et il y a des espèces qui vivent au fond. Voilà. Alors, il y a beaucoup plus d'espèces qui vivent sur le fond que dans la tranche d'eau. D'accord. Au niveau diversité. Une autre question. C'est, les foraminifères sont surtout des organismes marins, mais il existe des espèces dans les rivières, dans l'eau douce? Alors, il y a des équivalents qu'on appelle les técamébiens. Mais actuellement, il y a des recherches, notamment à Angers, là, sur l'ARN, etc., sur le message interne, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des forums d'eau douce. Mais pour l'instant, on va dire que les forums sont surtout des organismes marins. Mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Bien. Et puis, la branche de la chronostratigraphie qui utilise les fossiles pour dater s'appelle la biochronostratigraphie. C'est ça. D'accord. Ok. Bah, Mohamed, bonsoir à toi. On passe au minéral du mois et je te laisse la parole et moi je vais. Tu peux me mettre aussi. Entendu. Papy Jeff, tu me mets Papy Jeff avec moi, s'il te plaît. Papy Jeff. Tu m'entends, Papy Jeff? Bon, je vais commencer sans toi, c'est pas grave. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, le minéral du mois, on a choisi l'or des fous. Hop. Alors, si on va sur l'or des fous, voilà, il est précisé que c'est le nom qu'on donne à un minéral qui s'appelle la pyrite. Et pyrite, sur le plan étymologique, vous avez pyros, hein, comme pyromane, pyroclastique et tout ça, c'est le feu. Tout simplement parce que la pyrite, c'est un minéral qui produit des étincelles quand on frappe dessus avec un silex, par exemple. Et alors, il y a son petit frère aussi qui s'appelle la marcassite, qui possède les mêmes propriétés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pyrite et pourquoi on l'appelle l'or des fous? Eh bien, parce qu'il y avait une petite confusion avec l'or. L'or, alors, qui n'a pas du tout la même composition chimique, qui n'a pas les mêmes propriétés. Et il se trouve que les gens qui trouvaient de la pyrite, qui est relativement abondante, pouvaient prendre ça pour de l'or et penser être riches, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Donc, grosse déception. Alors, on va regarder ensemble pourquoi est-ce que c'est différent de l'or et qu'est-ce qui les distingue. Et pour ça, on va regarder le tableau de Mendeleïev. Tout à l'heure, ils en ont parlé là.
Alors, c'est le tableau périodique que vous devez sans doute connaître. On va prendre un au hasard. On va prendre celui-là. Oh non, il est à vendre. Je ne vais pas prendre celui-là. Bon, je le prends quand même. Alors, l'or, c'est le AU ici. Ça vient du latin aurum, qui veut dire doré. Et pensez à quand quelqu'un porte une auréole au-dessus du crâne, ben, c'est un cercle doré. Voilà. La pyrite, elle, a pour formule chimique non pas AU, mais du fer. Alors, le fer, il est ici, Fe, avec deux soufres. Le soufre, il est ici, FeS2. Donc voilà, ce qui distingue déjà la pyrite de l'or, c'est sa formule chimique. Alors, l'or a une particularité comme minéral. Ouais. L'or, c'est un minéral qui est composé uniquement d'un seul élément chimique. On appelle ça un élément natif. La pyrite, elle, est un minéral qui contient comme seul anion. L'anion, c'est le truc qui est négatif. C'est le S et la famille des minéraux qui possède comme seul anion le soufre s'appelle des sulfures. Donc, voilà une autre différence entre ces deux minéraux. Alors, comment les distinguer? Eh bien, c'est vrai que la confusion, elle est liée à la couleur. Et si je vous montre de la pyrite en image, eh bien, vous remarquez que c'est relativement doré, comme celui-ci, ce spécimen-là, ou celui-là. Et c'est ça la confusion qui vient avec un éclat métallique. Et si je vous montre de l'or, eh bien, vous remarquez que c'est doré et que ça a un éclat métallique. Ceci dit, la couleur jaune-or est beaucoup plus puissante que celle de la pyrite. Alors, ce qui les distingue autrement, c'est si vous chauffez de l'or, normalement, il n'y a pas d'odeur. Il y a l'argent qui n'a pas d'odeur, l'or non plus. Par contre, si vous chauffez de la pyrite, comme c'est un minéral qui contient du soufre, tu es là, Jeff ? Oui, je suis là. On m'entend. Alors, Jeff, alors qu'est-ce qui se passe, Jeff ? Ah, d'accord. Jeff, qu'est-ce qui se passe quand tu chauffes de la pyrite, qui est un sulfure ? Tu as une idée ? Tu chauffes de la pyrite, ça se combine avec, avec un élément chimique, alors je sais pas, du SO2 peut-être. Alors du SO2 ou alors du H2S et ça va sentir l'odeur H2S, du soufre. Ouais. Ah ouais, l'œuf pourri, ouais. Voilà, à l'origine de ma vocation. À l'origine de ma vocation. J'ai compris qu'on pouvait faire des boules puantes avec du soufre et un peu de fer. Bah voilà. Si, tout est là. C'est un truc pour moi. Je tiens à te féliciter en tant que papy, au fait. Hein. Merci. Alors, l'autre point qui est important, donc vous voyez, on pourrait distinguer l'un et l'autre grâce simplement en les chauffant. Sinon, on peut le faire avec un autre paramètre qui est important, qui s'appelle la densité. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est la densité, Jeff ? Oui, alors la densité, c'est un nombre sans dimension qui caractérise le rapport de la masse volumique de la substance par rapport à celle de l'eau. S'il s'agit d'un solide ou d'un liquide, pour un gaz, on prendra plutôt la référence avec la masse volumique de l'air. Voilà. Et en gros, l'idée, ça tient un peu de flotte ou coule, quoi. C'est-à-dire que quelque chose qui a une densité supérieure à celle de l'eau va couler et quelque chose qui a une densité inférieure à celle de l'eau flotte. Alors, les deux vont couler puisque les deux ont une densité supérieure à 1, mais l'or a une densité de 19. Donc, ça veut dire que quand vous portez 1 litre d'eau, eh bien, ça équivaut à 19 kilos. Ça veut dire que si dans un film, vous voyez des gens qui jouent avec des lingots en jonglant avec, bah, soit ils sont super forts, soit c'est pas de l'or. soit la prod est un peu cheap. Alors, l'autre particularité, c'est que la pyrite, elle a une densité de 5, ce qui est pas mal quand même. Hein. En géol, 5, c'est bien, mais c'est pas suffisant par rapport à l'or. Voilà. Donc, on pourrait distinguer les deux grâce à un test avec la densité. Alors, l'autre point, c'est la cassure. La cassure, là, vous prenez vos minéraux et vous les pétez, vous tapez dessus. L'or, c'est malléable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être malléable, Jeff ? Ça peut être déformé facilement. Voilà, ça se déforme facilement. Et c'est pour cette raison qu'on peut faire, ben, je vais vous montrer ça, on peut faire des feuilles d'or. Voilà. On peut faire également du fil d'or.
Donc, c'est quelque chose que l'on peut travailler très facilement. Vous ne pourrez jamais faire des feuilles de pyrite ni du fil de pyrite parce que la pyrite, elle, elle se pète. Elle n'est pas malléable. Voilà. Alors, l'autre particularité, c'est la trace. Alors, Jeff, je ne sais pas si tu es au courant sur la trace, ce que c'est en géol. Non. Non, là, je suis néophyte total. C'est pas grave, ça, tu vas voir, c'est ce qu'on appelle la vraie couleur de la roche. Alors voilà, ça ne marche pas. Alors je vais chercher en trace en minéralogie. Voilà, alors le principe est le suivant, vous prenez une plaque de céramique, si possible quelque chose qui soit clair, ou si vous cherchez une trace qui est blanche, ben dans ce cas-là, une plaque de céramique qui est foncée, et vous frottez le minéral contre la plaque de céramique. Et ça va laisser une poudre. Et en fait, la trace, c'est la couleur de la poudre laissée par le minéral quand on le frotte sur une plaque de céramique. Eh bien, la pyrite laisse une trace jaune-or, alors que l'or laisse une trace jaune-or, alors que la pyrite va laisser une trace noire. Et là, pas photo. Là aussi, si vous frottez votre minéral et qu'il a une trace noire, ce n'est pas de l'or. Désolé. Alors, il y a aussi certains acides. Hein. En effet, quand vous allez chez un bijoutier, il va frotter votre élément en or et il va mettre de l'acide dessus. Et certains acides vont dissoudre l'or, mais pas la pyrite. Alors, sinon, il y a d'autres particularités. L'origane. Ouais. T'as déjà vu cette manip ? Tu as déjà fait chez un... Quand tu as revendu. Non, par contre, l'origan, c'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique dont les proportions doivent être à peu près un tiers, deux tiers. Et j'ai déjà entendu parler de cuves d'acide, enfin d'une société dans laquelle il y avait eu une erreur de remplissage. Ah. On avait mis de l'acide sulfurique dans la cuve d'acide chlorhydrique et ça avait fabriqué de l'origan. Et il y a eu quelques petits soucis avec la cuve. Ah, parce que c'est, d'accord. C'est un mélange qui est hyper. C'est efficace. Ouais, très, très efficace. Je rappelle aux gens qui écoutent, c'est comme l'alcool. L'acide, faut faire ça avec beaucoup de précautions. Voilà. Autre terme intéressant pour distinguer les deux, c'est l'oxydation et l'altération. Et là, il se passe quelque chose, c'est que l'or est considéré comme inaltérable ou très peu altérable, ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'on va la retrouver tout le temps. Quoi. Si vous portez de l'or sur vous et que vous mourrez et qu'on vous enterre tout ça, à la fin, il restera l'or. La pyrite, elle, par contre, bah, je suis désolé de vous le dire, si vous avez des bijoux en pyrite, ils ne vont pas tenir longtemps. Parce que la pyrite s'oxyde. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'oxydation ? On va dire que c'est une combinaison avec l'oxygène de l'air. Ouais, voilà, ça. Et alors ça la pyrite, comme... ouais c'est bien, c'est beau. Ouais. Alors en fait la pyrite, ça tient pas à la route. Hein. Et la pyrite, elle a un petit copain qui s'appelle marcassite, qui est aussi un disulfure de fer, c'est-à-dire ça a la même composition chimique, mais pas le même système cristallin. Et là, c'est encore pire parce que la marcassite, elle tient vraiment pas du tout. Hein. C'est une horreur. Donc ça se dégrade très rapidement, ça se pète comme ça. D'ailleurs, ça libère de l'acide sulfurique quand ça s'oxyde. Ce qui n'est pas très intéressant quand vous avez une collection et que vous avez de l'acide sulfurique qui se forme. Alors, il y a un autre truc qui les distingue. Jeff, tu sais, qu'est-ce qui est plus cher d'après toi, l'or ou la pyrite ? Je dirais l'or. Oui, d'ailleurs, l'or est coté en bourse. Et vous ne trouverez pas de cours de la pyrite en bourse. Alors, même chose, est-ce qu'il y a eu des ruées vers la pyrite d'après toi ? Peut-être au moment de la préhistoire. En fait, il n'y a pas eu de tuerie à cause de la pyrite, il n'y a pas eu de ruée vers la pyrite, il n'y a pas eu tous ces trucs, alors que bien sûr, on a eu tout ça pour l'or. Alors, l'autre point, c'est que... Ah, si, c'est un point commun. Alors, le point commun, c'est que les deux rendent fous. Tu sais, c'est un peu comme dans... comment s'appelle le jeu, là, où... ketchup et mayo, hein. Les deux. Ah, alors les deux rendent fou, en effet l'or ça rend fou, ouais. Parce qu'on devient fou quoi. On est prêt à tuer tout ça, faut pas tuer d'ailleurs, faut pas hein. Non. Et puis l'or aussi rend fou parce que souvent les gens pour exploiter l'or utilisaient du mercure et le mercure, qu'est-ce que t'en sais toi au niveau de, c'est bien pour la santé le mercure ? Non c'est pas top hein. C'est pas top, c'est pas top. On a interdit le mercure dans les laboratoires
Ah oui, oui. Faut pas. La pyrite rend fou. Ouais, voilà. Ouais. La pyrite peut rendre fou, mais à quel moment, d'après toi, Jeff? À quel moment la pyrite rend-elle fou? À quel moment la pyrite rend fou? Quand on la prend pour de l'or. Quand tu veux faire. Ouais, c'est ça. J'allais dire quand tu veux essayer d'en faire des films, mais non. Oui, par exemple. Non, c'est surtout quand on la prend pour de l'or. Et voilà, ouais. L'origine du mot or des fous. Alors, quand même, il y a un petit miracle qui se produit. Vous êtes prêts? Il existe un minéral qui s'appelle l'arsénopyrite. Alors, l'arsénopyrite, tu peux. Tu as une idée de ce qu'il y a comme élément chimique en plus du. On va dire celui qu'on retrouve dans les huîtres, parfois l'arsenic. C'est une erreur, c'est quelqu'un qui a mis des produits qu'il ne fallait pas. Voilà, de l'arsénopyrite. Et en effet, dans l'arsénopyrite, vous avez de l'arsenic. Mais l'avantage de l'arsénopyrite, ce n'est pas d'avoir de l'arsenic, parce que l'arsenic, Jeff, c'est bon pour la santé ou pas? Ça dépend de la dose, hein. Oui, il ne faut pas. Hein. Faut pas. Je ne sais pas si tu es au courant, mais au début du siècle dernier, on faisait des crèmes de beauté pour les femmes, pour blanchir la peau, à base d'arsenic. Exact. Ouais. C'est pas bien. Hein. Bon, l'arsenic, c'est, alors, c'est pareil. Il se trouve que tu parles à quelqu'un qui vient de subir une intoxication à l'arsenic. J'en ai bouffé une très faible quantité. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour essayer, tu sais, quand toi tu lèches les cailloux, moi je bouffe de l'arsenic. Ouais. Voilà, d'accord, au choix. Faut pas. L'arsénopyrite possède des traces d'or. Et d'ailleurs, dans le Maine-et-Loire, à la mine de la Bellière, il y avait pas mal d'arsénopyrite. Et il suffisait après, par contre, pour extraire l'or de ce minerai, il faut le péter, il y a des petits produits chimiques pour essayer de récupérer l'or qu'elle contient en sous forme de traces. Voilà, Yves, est-ce que ça te va? Merci, Jeff, hein, et bravo. Oui, alors j'ai des questions. Vas-y. Est-ce que il existe des filons de pyrite? Oui, alors la pyrite, tu peux la trouver en forme de cristaux de forme très variée. Ça peut être en plaquage, sous forme de dendrite. Les plus fréquents, c'est des cubes qui peuvent avoir des macles d'interpénétration. Et puis, sinon, tu peux la trouver associée à du quartz dans des filons. Alors, ce n'est pas des filons de pyrite, proprement parlé, mais c'est des sortes de minéraux qui vont se former à l'intérieur du filon. Sinon, tu peux en trouver directement dans les roches aussi. Donc c'est pas que filonien. Les ardoises exploitées à Trélazé, c'était le. Dans les schistes ardoisiers, par exemple. Dans les schistes ardoisiers, oui. Ouais, tu peux en trouver à l'intérieur du schiste ardoisier d'Angers, d'accord. Il y en a dedans, mais tu peux aussi. Alors c'est pas fréquent. Hein. On dit souvent que c'est celle d'Espagne qui en a le plus de pyrite. Ah. Mais autrement, tu peux en trouver dans les filons associés aux filons de quartz de ces pyrites. D'accord. Il y a quelqu'un, je reviens sur les foraminifères, il y a quelqu'un qui dit, mais les ostracodes, c'est aussi des foraminifères ou pas? Non, les ostracodes sont des animaux, mais oui. Des crustacés. C'est ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film Alien. Attends, je vais chercher Alien. Voilà. Eh bien, tu mets une bestiole comme ça à l'intérieur d'un haricot. Pas d'un haricot, salut, d'un... Jeff. Comment s'appelle ça? Oh, Fabrice, j'appelle ça les. Non, je vais pas le dire le nom. Ouais. Les pois, voilà, à l'intérieur d'un pois. Mais ostracode, je te montre. Concrètement, un ostracode, le seul point commun avec les forams, c'est la taille. Mais les ostracodes sont plus gros que les forams. Alors, les ostracodes, il en existe d'eau de mer qui vivent dans les milieux marins, mais également d'autres qui vivent dans les milieux d'eau douce ou saumâtre. Et voilà. Donc là, tu as une image. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois ça ou pas? Oui, c'est ça, oui. OK. Là, tu as un ostracode. On voit les petites pattes qui sortent, là. Là, c'est au microscope électronique à balayage. Hein, et là, c'est en transparence. Okay. Voilà. D'accord. Bien. Donc, le seul point commun, c'est que c'est petit. Ouais. Alors, allez, pour la photo aérienne de l'île de Léron. Alors, c'est parti. Là, je vais vous emmener sur, sur Géoportail et je vais vous montrer un truc. Alors, des photos aériennes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je passe mon temps à aller sur un
Mais sinon, je passe mon temps à regarder, après, quand je fais mes rapports, je regarde les photos aériennes anciennes, récentes, etc., pour essayer de trouver des indices qui me permettent de mieux comprendre ce que j'ai vu au sol. Donc là, on va aller sur l'île d'Oléron. Alors, l'île d'Oléron, pour la fixer, pour que tout le monde comprenne, si jamais il y a des gens qui ne sont pas de la France. En France métropolitaine, on a deux grosses îles. Alors, il y a celle-ci. Yves, comment s'appelle-t-elle là ? Celle qui est en bas à droite, là, au sud-est. Tu la vois ou pas ? Ça, c'est... Ben, c'est pas en France, ça, si ? Bah c'est la Corse. C'est la Corse. Non, non, oh là là, j'espère qu'il n'y a pas des Corses. Eh bien, Oléron, c'est la, en superficie pour la France métropolitaine, oui. C'est la deuxième île en taille. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est dans le 17, Charente-Maritime, qui fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et cette île est caractérisée ici par une morphologie, on va dire, allongée, comme ça, sur une direction de. Nord, je vais vous la mesurer. Chronologique, non, c'est pas celui-là. Azimut, voilà, ici, donc sur cette direction, à peu près nord 150. Voilà, ça c'est l'île d'Oléron. Et la pointe qui se trouve ici, là, la pointe qui se situe au nord-ouest de l'île, est caractérisée par des terrains, ici et ici. Une zone qui est découverte à chaque marée, qu'on appelle l'estran, E-S-T-R-A-N. Et l'estran, ici, il est rocheux. Donc, vous avez une petite falaise qui se trouve ici. Le profil, ici, globalement, je vais vous le montrer. Voilà, si je fais un profil de là à là, voilà, j'ai une zone avec une petite falaise qui fait 10 mètres de hauteur. Je l'ai également ici, voilà, 10 mètres de hauteur. Et ici, 10 mètres de hauteur. Mais le cratère G0, ça y est, il est habité par l'homme ou... Ben justement, on va regarder de près, parce qu'il se passe quelque chose. Là, il y a un phare ici. Alors, je vous le montre, hein, le phare. C'est le phare de la pointe de Chassiron. D'ailleurs, ici, vous avez le nord, le sud, l'est-ouest. Vous voyez ? Voilà. Et ce phare, eh bien, quand on va en haut, parce qu'on peut y monter, on peut voir l'estran rocheux ici, vu d'en haut, et on s'aperçoit qu'il y a des ondulations un peu étranges dedans. Alors, je vais vous les montrer à présent, ces ondulations, et on va essayer de les examiner, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas à plusieurs reprises, d'aller observer les roches qui se trouvent sur les falaises, et d'aller voir celles qu'il y a sur cet estran rocheux, qu'on appelle d'ailleurs un platier rocheux. Yves, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un platier rocheux ? Platier rocheux, parce qu'il y a des roches. Ouais, et que c'est... Et que c'est un plateau. Ben non, voilà. Il y a un dénivelé qui doit être très faible. Ouais. Est-ce que tu vois mon écran, là, avec le truc, oui, ou pas ? Oui, très bien. Phare super. De Chassiron. Mais on dirait que tu as la fibre, dis donc, hein, parce que ça lag pas du tout, dis donc. Ah, ben, c'est très bien. Et, attends, je vais essayer de me mettre en plein écran. C'est là. Attends, j'essaie de récupérer le machin. Mmh. Là, tu vois quoi ? Tu vois le phare et mon truc à côté ? Exactement. Ah mince. Attends, j'essaie de me paramètre d'affichage. Là, voilà, je vois c'est le mieux phare là. En entier, oui, tout à fait. Super. Et ben voilà. Alors. Donc ça, c'est le phare de la pointe de Chassiron. Ok, très bien, il y a un sémaphore à côté. Et on voit ici la petite falaise. Rappelle-moi, Yves, combien de hauteur ? 10 mètres. 10 mètres. Et on voit des trucs alignés comme ça. Alors, ouais, qu'est-ce que strates, c'est que ces machins-là ? Des strates. On est donc sur des roches stratifiées. Maintenant, si on regarde... Alors, les roches stratifiées, Yves, d'après toi, c'est quel type de roche, du coup ? Ça peut être sédimentaire ou volcanique. Voilà. Et alors là, regarde Yves, tu vois cette photo, c'est sur la pointe de Chassiron et on voit des trucs bizarres là qui sont au sol. Est-ce que tu as idée de ce que c'est ? C'est des... Ah ouais, d'accord, des blocos. Des blocos qui ont été édifiés pendant... Le mur de l'Atlantique, oui. Ouais, alors par les nazis, hein, quand ils ont voulu renforcer l'ensemble d'un dispositif qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Oui. Mais alors, il y a un blème là, qu'est-ce que tu en penses Yves, là, d'après toi là ? Est-ce que les nazis, ils ont fait construire des trucs dans le vide ou là ? Bah ouais, l'érosion fait son œuvre. Voilà. Donc en fait, cette pointe de Chassiron, c'est son nom, elle est soumise à l'érosion. Et alors, c'est cette érosion justement qui a décapé ce platier rocheux que l'on voit très nettement ici.
et qui présente des ondulations remarquables. Alors, on va commencer par... Et ça se voit même du haut du phare. Je pense que tu le vois bien, ça va? Ah oui, ah ouais, complètement, oui. Donc, alors, c'est des ondulations, il y en a trois sortes. On va les regarder ensemble. Il y en a une ici, là, que j'ai mis avec le trait orange. Et là, voilà, c'est cette ondulation qui est là. Alors, celle-ci, elle est là aussi, on la voit très bien. Alors, celle-ci, oui. Elle n'est pas naturelle. C'est lié aux activités humaines. C'est une pêcherie? C'est une ancienne écluse à poissons, une pêcherie, ouais. Ah, une pêcherie, c'est ça. Ouais. Alors, on en distingue plusieurs sur ce secteur. Il y en a une là aussi, il y en a une aussi là, il y en a plusieurs. Mm-hmm. Alors, il en reste 17 qui sont encore en activité sur le secteur d'Oléron. Ah bon? Ouais, ah oui. Mais il y en a eu jusqu'à 200 dans le passé. Ah, oui. Alors, c'est des âges relativement anciens. Ça peut être néolithique. Tu expliques le principe un peu? Alors, le principe, je peux vous l'expliquer. Je vais, hop, je vous le montre avec ça. Voilà. Attends, il faut que j'inverse mon truc. Voilà le principe. Et il y a des pêcheries qui sont réhabilitées à l'heure actuelle où on les... Alors, celles-ci sont protégées. Celles-ci sont protégées. D'accord. Parce que c'est partie du patrimoine. Patrimoine historique. Donc, le principe, c'est qu'à haute mer, l'eau submerge les frontons, là, ici. Mm-hmm. Et à basse mer, l'eau se retire. Et en fait, il y a des sortes de trouées à l'intérieur sur lesquelles on va mettre des bois. Des grilles ou des... Oui, des d'accord. Grilles. Et il suffit de ramasser le poisson lorsque la mer descend. Voilà. Okay. C'est tout. Et t'en as vu en activité, toi? Non, j'en ai pas vu en activité. Mais par contre... alors, c'est protégé, c'est-à-dire qu'il est interdit de marcher dessus, là-bas. Hein, ouais. Parce qu'évidemment, c'est soumis à l'action des vagues, des tempêtes et tout ça. D'accord. D'accord. Donc, écluse à poisson, ok. Bon, ça, on comprend. Maintenant, je vais passer à autre chose et je vais regarder les autres ondulations que l'on voit ici. Là. Je pense que tu les vois, là. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, ces ondulations ont l'air d'être assez régulières. On les voit également. C'est où se trouve le point d'interrogation, là? Ça te va? C'est pas ça d'une charrue ou... Bon, on peut voir. Alors, quand on va sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les strates. Et là, vous êtes sur l'estran rocheux et on voit les traits ici qui correspondent aux strates. Voilà. Incroyable. Oh, c'est donc génial. Ouais, en fait, là, c'est comme une... Bah, vous marchez sur les strates, quoi. Alors, vous descendez, vous montez. Et alors, dans ces strates, c'est du calcaire, là, en l'occurrence, pour ces falaises-là. Et on peut trouver des choses bizarres, comme ici, là où il y a des sortes d'ondulations, là. Alors, ça, c'est un fossile, ça. Et ça, c'est l'intérieur d'une ammonite. Ah oui, c'est les cloisons? Et moi, c'est... Ouais. Non, ou c'est la décoration extérieure? Non, c'est les cloisons. Non, c'est les cloisons, là. Bah, c'est l'intérieur des cloisons. D'accord. Donc, en fait, on est sur des roches composées de roches sédimentaires, comme l'attestent les strates, mais également les fossiles. Et là, on est, comme c'est un fossile d'ammonite, on est sur des calcaires qui se sont formés en milieu marin. Alors, de quand? Eh bien, il se trouve que ces fossiles, ici, caractérisent le Jurassique supérieur, et plus particulièrement, comme le montre cette carte, sur les terrains les plus récents du Jurassique. On est à la fin du Jurassique sup. Alors, ça s'appelle le portlandien, mais c'est un terme qui n'est plus beaucoup utilisé maintenant et qu'on appelle maintenant le titanique. Alors, une petite remarque là, Yves, j'ai mis des couches avec des strates sur ce dessin. Est-ce que tu les vois? Oui, jaune et blanc, oui, alternance. Voilà. Alors là, les couches sont à l'horizontale, l'horizontale parfait. D'accord? Oui. Et bah, quand la mer est dessus, évidemment, on voit rien, comme sur ma photo. Oui. Mais quand la mer se retire, eh bien, on peut voir l'intérieur. Et si les strates étaient à l'horizontale, vraiment à l'horizontale, eh bien, étant donné que le platier rocheux est toujours à l'horizontale, eh bien, logiquement, je ne verrai pas les strates. Bah oui, je ne verrai pas les ondulations. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, en fait, si je vois des ondulations là, c'est que mes strates ne sont pas exactement à l'horizontale. Elles sont donc inclinées. Ah, alors, il y a deux possibilités. Ça peut être incliné vers la terre, hein, vers le sud-ouest, sud-est, pardon, comme ici, ou ça peut être incliné dans l'autre direction. Voilà. Alors, bah, c'est là qu'il y a l'intérêt, c'est-à-dire que la photo aérienne, elle est sympa, mais elle ne nous permet pas de tout résoudre. Il faut donc aller, Yves, où est-ce qu'il faut aller en complément? La géologie, c'est d'abord le terrain. Bah voilà. Et sur le terrain, regarde ce qui se passe. Tu les vois, oui, les strates qui sont inclinées, là? Oui. Voilà, avec le fameux blocos, là, isolé, perdu. Voilà. Donc, les strates ne sont pas à l'horizontale, et ça, le platier rocheux
nous permet de le montrer. Alors, il me reste une troisième type. Alors, il y en aurait d'autres, hein, mais je vous en manque que trois. Il y en a un troisième ici. Alors, je ne sais pas si tu vois là, mais on a l'impression qu'il y a un trait là. Tu vois ici là ? Oui, là. Qui sépare alors, deux types d'ondulations, là, oui. Ouais. Alors, il y en a un autre ici, et puis il y en a un autre là, ici, comme ça. Ouais. Alors, ces trucs-là, qu'est-ce que c'est que ça ? On les voit également ici. Là, par exemple, là, on le voit très bien, là. Oui. Ça oui, sépare oui, mes oui. ondulations. Mmh. Alors, je l'ai pris celui-là en photo plus précise. Alors, ce n'est pas ouais. en photo prise d'un aplat. Donc, mais bon, on va voir mais quand c'est même. C'est quelle échelle ? Excuse-moi, parce que là, je... Ah ben là, malheureusement, la Bernique fait l'échelle. Là. Il y a d'accord, une Bernique. Okay, là. C'est la Bernique, d'accord. Okay. Okay. Alors, je vous ai redessiné là, ces traits ici, sur cette photo. Mmh. Et j'ai découpé mon truc. Et en fait, ça correspond à des cassures dans les roches. Alors, ces cassures peuvent être. Alors, ça peut être une faille quand il y a un décalage. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand il n'y a pas de décalage, on appelle ça une diaclase. Absolument. Eh bien, en fait, ce que vous avez ici, ce sont des fractures. Ah, soit ouais. des failles, soit des diaclases. Donc, moralité, bah, ça, c'est, non, la lecture c'est, super. C'est la lecture d'une photo aérienne. Mais évidemment, il faut aller où aussi ? Sur le. Sur le terrain. Bah oui, absolument, en complément. C'est-à-dire que la photo aérienne ne suffit pas, mais ça donne des pistes. Et c'est pour ça que je vous incite à regarder les endroits où vous vivez, que ce soit avec Google Earth, avec Géoportail, Infoterre, tous les moyens que vous avez pour aller regarder ce qu'il y a autour de chez vous. Et peut-être que vous trouverez des choses géologiques qui seront super intéressantes. Voilà. D'accord, j'ai une question. Ouais. Alors, de Julien. Cet estran s'est formé en combien de temps et l'érosion se fait à quelle vitesse ? Alors moi, ce que j'ai envie de dire un peu à Julien, c'est qu'il y a 12 000 ans, le niveau de la mer était 120 mètres en dessous. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup d'érosion. Donc, l'érosion, je ne sais pas, complète mon propos parce que je vais peut-être dire une bêtise. Là. Alors là, on peut connaître la vitesse du recul de la falaise. Grâce à quoi ? Bah, si vous allez sur Géoportail, par exemple. Tiens, bah, on va le faire, Yves. Tu vas voir, c'est sympa. T'es prêt ? Alors attention, hein, on se donne 2 minutes, on fait des réponses. 2 minutes, pas plus. Il y a Benjamin, et puis après, il y a les ouais. roches à déterminer. Bah regarde, là je suis sur une photo. Tu vois toujours mon écran ou pas ? Oui, je vois très bien ton écran. Ok, eh bien ça roule. Eh bien regarde, là je vais me mettre ici. Voilà, et je vais positionner grâce à Géoportail. Là je suis sur la photo aérienne qui date de 1949. Voilà. Et je vais. Outils principaux, je vais mettre une puce à l'endroit exact où se situe la falaise. D'accord ? Oui. Et je regarde où est la falaise maintenant. Et ah, voilà. D'accord. Ah, génial. Et donc là, je mets une deuxième puce. À noter la carte. Alors, à condition, bien sûr, que les photos soient bien calées. Hein, on est d'accord. Hein, bah oui, bah oui. Ah. Ouais. Et ensuite, je fais une mesure d'une distance. Et donc, en 70 ans, j'ai reculé de 11 mètres. Et voilà. 70 centimètres à peu près. Bah, génial. Hein. Ouais. Julien, il n'y a rien à dire. Alors, ça veut dire que après, si tu fais parallèle, après, tu peux dire qu'un jour, ce truc-là, là, ça, le phare, il devra, il faudra le mettre ailleurs. Oui. Voilà, bon, à vous les studios. Vraiment, merci de ton partage, hein. C'est génial. Emeline nous dit, il n'y a rien de mieux qu'aller sur le... Mais oui, terrain. Bien sûr. Magnifique. Ah oui, la photo aérienne, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. Hein. Là, dernièrement, peut-être qu'on regardera ça pour la semaine, dans un mois, là, mais j'ai une étudiante, la Florie, qui m'a trouvé des photos aériennes de magnifiques sols gelés anciens qui se trouvent dans le Maine-et-Loire. Donc, dans le Maine-et-Loire, on a eu des sols gelés. Et voilà. Frost, ouais. Non, ouais. Ça, oui. Bon, eh ben, on va laisser la parole à Benjamin et Loulou. Ça roule. Loulou, est-ce que... Oui, je suis là. Je suis là. Je suis là aussi. Benjamin, voilà. T'es là aussi. Ah, eh ben, bon, je vous laisse la parole et puis je partage l'écran de Benjamin. Voilà. Et puis moi, je me remove. Hop là. Bonjour Benjamin. Salut Louis. Ravi de t'accueillir sur la chaîne géologique. En plus, tu es le premier d'une série puisqu'on a décidé ici de faire découvrir des métiers qui sont connexes, très satellites,
de la géologie et il se trouve que tu en pratiques un professionnellement. Donc on va commencer par une interview très stricte. État civil, nom, prénom, situation familiale, lieu de naissance, casier judiciaire, etc. etc. La totale. Vas-y, je t'écoute. La totale. Dis-moi tout. Alors, je suis donc Benjamin Benoît, je suis un ancien étudiant de Fabrice. Donc j'ai connu Fabrice, il commençait d'ailleurs en tant que maître de conférence, donc c'était en 98-2000. Donc maintenant j'ai 41 ans, je suis marié avec deux enfants et je suis géotechnicien depuis 2003. Donc ça va faire 17-18 ans que je fais ce métier en fait. Alors, tu es même ingénieur géotechnicien. J'aimerais que tu nous définisses en quelques mots en quoi consiste le métier de géotechnicien, d'une part, et quel est son rapport direct avec la géologie, d'autre part. C'est ça. Alors, la géotechnique, si on veut faire simple, en fait, c'est mesurer les caractéristiques mécaniques du sol en vue d'y adapter un ouvrage, en fait. Le but étant de faire un peu comme un docteur, c'est-à-dire d'ausculter le sol, de voir comment il se comporte, et suivant ce qu'on va trouver en termes de mécanique, d'y adopter un ouvrage pour éviter un petit peu qu'il fissure en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le cursus nécessaire, par quoi tu dois passer en termes d'études pour arriver à ce métier-là? Est-ce que c'est un lien direct? Est-ce qu'il y a un débouché direct de géotechnicien via des études de géologie? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors moi j'ai fait un parcours tout à fait ordinaire, on va dire, à l'époque. Donc ça s'appelait autrefois le DEUG licence maîtrise. Maintenant c'est donc le fameux LMD. Donc moi j'ai fait un cursus complètement scolaire typique faculté. Ouais. Et j'ai donc intégré ensuite une société qui m'a formé en interne. C'est-à-dire que la géotechnique, on peut aussi l'apprendre directement dans les entreprises. D'accord, c'est pas nécessairement passer par l'université, par le cursus auquel toi tu as parcouru. Non, pas forcément. Enfin, c'est quand même un plus parce que c'est relativement axé sur la géologie. Donc il faut quand même, on va dire, au moins une licence maintenant, au moins un bac plus 3 en termes de géologie. Et après, on peut aussi dériver via le métier du bâtiment, donc du BTP et du génie civil. D'accord. Vas-y, oui. Oui. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Donc, en termes d'études, en fait, il y a la géotechnique, on peut la diviser un petit peu en deux parties. Dans les grosses sociétés, on a à la fois la partie forage, donc la partie in situ sur le terrain, et la partie ingénierie qui est faite par des ingénieurs. Donc là, les ingénieurs, ils ont en plus un parcours de master, plutôt de géosciences, génie civil, géoressources. Mmh. Et les foreurs, eux, par contre, ça va être plutôt axé sur le bâtiment, en fait. D'accord. Et la formation interne, c'est-à-dire que c'est plutôt les anciens foreurs qui vont former les nouveaux foreurs, parce qu'on n'a pas de machine à montrer à l'école pour être formé. Donc c'est vraiment une formation un peu interne. Alors je crois savoir que donc l'entreprise dans laquelle on peut citer le nom de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ben, Benjamin. Je t'en prie, vas-y, je te laisse. Moi, je fais partie de la société qui s'appelle Armasol. Ça fait partie du groupe Fimurex. Alors nous, la petite particularité, c'est qu'on est surtout axé dans la géotechnique, mais pour les petits ouvrages, principalement la maison individuelle et les petits collectifs. Ce qui signifie qu'il y a des bureaux d'études qui sont beaucoup plus spécifiquement axés vers les ouvrages d'art, vers les gros bâtiments et les choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la géotechnique, tu peux faire soit du petit bâtiment comme la maison individuelle, ou alors tu vas vraiment axer sur des centres commerciaux, des mairies, des écoles, des ponts, des tunnels, etc. quoi. D'accord. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent et qui sont dans un cursus étudiant ou universitaire, ou qui pourraient être intéressés par le type d'été, est-ce que tu pourrais nous décrire une semaine de ton job, de manière à pouvoir un petit peu palper la variété, autant physique qu'administrative? Est-ce que tu pourrais nous décrire une semaine globalement? Alors, moi, j'ai la chance dans ce métier de faire les deux parties. C'est-à-dire que je fais à la fois la partie terrain. Donc, on va dire que je passe une journée en administratif pour préparer mes chantiers, faire tout ce qui est la préparation de devis. Et je passe 2 jours sur le terrain et 2 jours en télétravail pour faire mes rapports d'ingénierie. Après, dans les grosses sociétés, on va dire que les foreurs partent à la semaine, donc ils partent souvent le lundi, ils rentrent le jeudi soir ou le vendredi, donc ils font une semaine complète sur le terrain. Et les ingénieurs, ils font leur semaine soit en télétravail ou dans les bureaux d'études pour faire leur rapport, en fait. Il y a des outils spécifiques.
Pardon, est-ce que Benjamin, tu peux passer des images de ton métier? Ah, des petites images, oui, s'il te plaît, ouais. Ah, voilà. Alors, ce qu'on va montrer, ce qu'on veut éviter surtout en termes de la géotechnique, nous, ce qu'on veut éviter surtout, bah, c'est les désordres, en fait. On veut surtout éviter les sinistres. Donc, là, les géotechniciens vont être là pour résoudre ces problèmes de problèmes de sol. Alors, quand je parle de problèmes de sol, je vais remettre une petite image dessus. On va essayer de la trouver rapidement. Voilà, quand on parle de problèmes de sol, ça peut être soit des glissements de terrain, des coulées boueuses, principalement le retrait gonflement des argiles, des inondations. On va repasser à autre chose également. On va montrer également tout ce qu'on peut connaître aussi par chez nous. Je vais agrandir un petit peu l'image. C'est ce qu'on appelle les effondrements typiques marnières, quoi. Donc là, les géotechniciens ils vont être là justement pour essayer de quantifier ces problèmes d'effondrement et de les localiser avant qu'il y ait sinistre, en fait. Le secteur géographique que tu couvres, Benjamin, c'est vrai le Grand Ouest ou c'est limité à un ou deux, trois départements? Alors nous, on a tout le Grand Ouest, on est national, mais on a tout le Grand Ouest. Moi, j'ai principalement, on va dire, la Vendée, la Loire-Atlantique. Depuis que je suis là, c'est surtout Vendée, Loire-Atlantique, quoi. Donc, tu dois avoir des caractéristiques de roches et de sol très différentes entre les bords de Loire, je dirais, et le massif granitique vendéen. Tu peux un peu nous décrire ce que tu trouves géologiquement comme sol dans tes recherches et dans tes fouilles? Oui, bah moi, finalement, je joue un petit peu entre le bassin parisien, le bassin aquitain et le massif armoricain. Donc, j'ai principalement soit du substratum, donc on va jouer avec le micaschiste, le gneiss et le granit. Et après, tout ce qui est plutôt quaternaire et tertiaire, je vais jouer avec les sables, les argiles, le marais breton. Donc, il va falloir essayer de les quantifier, montrer un petit peu leurs caractéristiques mécaniques, voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour y fonder un ouvrage, quoi, en fait. La profondeur des recherches, des sondages que tu fais varie selon les types de sol. Est-ce que le sol et le sous-sol, d'ailleurs, on va demander à Yves également, je crois qu'il voulait intervenir, en profiter pour intervenir, pour faire un distinguo entre le sol et le sous-sol. Est-ce qu'il y a une profondeur différente à laquelle tu travailles selon que tu es en bord de Loire ou à Pouzauges, par exemple? Alors, je dirais que la profondeur va surtout aussi être induite par le type d'ouvrage. Si on a des ouvrages légers, on va plutôt rester en superficiel. On aura toujours des questions de... Il va falloir un petit peu dire est-ce que le sol va pouvoir supporter ce que je vais mettre. Donc si c'est une maison individuelle, on va plutôt rester sur ce qu'on appelle des fondations superficielles. Si j'ai plutôt un immeuble, j'ai plutôt essayé de rechercher le rocher. Donc là, le rocher, bah, je peux l'avoir soit à quelques mètres ou alors à quelques dizaines de mètres. D'accord. Donc, suivant la nature du projet qu'on veut réaliser, les essais vont être induits, en fait, et par rapport à la nature géologique du secteur, quoi. Donc, on va toujours faire une enquête un petit peu bibliographique et géologique avant d'aller sur le terrain. Si on est plutôt sur du granit, on va adapter quelques essais. Si on est dans le marais, pour avoir le rocher, il va falloir adapter des machines beaucoup plus puissantes. D'accord, ok. J'en profite pour appeler les studios. Allô, Cognac G, est-ce que Yves, tu m'entends? Est-ce que tu pourrais, je crois que tu souhaitais réintervenir et causer un petit peu de ce parler de ce distinguo entre le sol et le sous-sol, puisqu'on est sur un sujet qui est très précis. Oui, sol, vous m'entendez bien? Oui. Vas-y, vas-y, oui. Sol, sous-sol, bon, Fabrice, tiens, je vais faire aussi intervenir, parce que c'est une question que j'ai souvent posée à Fabrice. Alors, bah, je vais demander d'abord à Benjamin. Pour toi, la limite sol-sous-sol, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais, Benjamin? Alors, c'est un vaste domaine, en fait. Tout dépend de quel point de vue on se penche. Est-ce qu'on est géologue? Est-ce qu'on est géotechnicien ou podologue? Moi, je dirais, pour moi, le sol, c'est un petit peu ce que va dire Fabrice. Pour lui, c'est le sous-sol. C'est la croûte terrestre. Pour moi, c'est la croûte terrestre. C'est les... Allez, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres pour moi, on va dire. Pour moi, je suis encore dans le sol. Le sous-sol, pour moi, ça va rester la terre végétale, quoi. D'accord. Fabrice. Mais chacun aura son point de vue. Ouais. Bah, pour moi, c'est simple. Hein. Le sol, il est au-dessus du sous-sol. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu me parlais de traces biologiques pour toi, s'il n'y a plus de racines, s'il n'y a plus de... Voilà, en fait, comme l'a dit Ben, là, en fait, il y a plein de manières de voir cette distinction.
Moi, je travaille souvent avec des pédos. Ils ont aussi leur point de vue là-dessus. Moi, je dis, bah voilà, quand on voit des traces d'activité organique, donc des racines, des vers de terre, des trucs comme ça, on est dans le sol. Et quand on en voit plus, c'est qu'on est dans le sous-sol. Ceci dit, il existe une activité organique qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, c'est délicat. Voilà. En tout cas, Benjamin l'a dit là, la discipline qui étudie le sol s'appelle la pédologie. Et ça serait bien qu'on fasse venir un pédologue là pour ces lives, pour qu'il explique un peu son métier. Et puis, les gens qui étudient le dessous, c'est les géologues. En fait, voilà. Voilà la nuance. D'accord. Et Ben, lui, il est confronté aux deux. T'as les deux, Ben. Voilà. Ouais. Et pour j'ai les deux à étudier, malheureusement. Et pour mes problèmes de pied, non, il n'y a pas de... Ah bah ça, c'est autre chose. Loulou, je te laisse le mot de la fin. Ou Benjamin, ouais, juste deux, trois petites questions pour finir. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que le métier que tu pratiques répond à tes attentes, à ce que tu aurais aimé faire dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas de regrets par rapport aux études que tu as faites? Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes peut-être qui écoutent, qui sont là, qui peut-être avoir une vocation suite à cet entretien? Qu'est-ce que tu dirais pour les inciter à aller vers ce métier-là? Pour répondre un petit peu dans l'ordre de tes questions, alors moi j'avais une toute autre envie quand j'étais petit, je voulais être paléontologue. Donc tu vois, rien du tout à voir. Il a fallu faire un autre choix et je me suis dirigé un petit peu sur ce que j'ai trouvé, un petit peu sur le marché de la géologie, et je me suis tourné sur la géotechnique. Et finalement, je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment un... Alors, on va dire, pour moi, c'est pas un métier, c'est plus une passion. C'est-à-dire que j'adore ce que je fais, quoi. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est pas de se dire je viens travailler pour avoir mon salaire. C'est vraiment de se dire je vais prendre du plaisir sur ce que je vais faire. Donc moi, l'avantage, je vais sur le terrain. Donc quand tu es géologue, on le dit tout le temps, c'est le terrain, quoi. La vie, c'est le terrain. Donc, pour un géologue, c'est l'épanouissement, c'est-à-dire que je vais sur le terrain et je fais également de l'ingénierie. Donc, je vois vraiment toutes les phases du projet, quoi. Donc, moi, je dirais pour les jeunes qui ont vraiment envie de se lancer dessus, alors déjà, la géotechnique recrute énormément depuis l'année dernière. Il y a eu des nouvelles lois qui sont passées en termes de la construction qui rendent obligatoires les études de sol suivant les cartes de rentrée gonflement. Et on recrute énormément, la géotechnique recrute énormément, donc c'est quand même un secteur qui n'est pas bouché, au contraire, bien au contraire. On a même du mal à retrouver des géologues, on n'en trouve pas, c'est une pénurie en France, c'est une pénurie de géologues qu'on a. Donc avis aux amateurs, lancez-vous, il y a du travail en France. Après, je dirais, la géotechnique, il faut être passionné, il faut être mordu, faut être débrouillard, ne pas avoir peur d'aller sur le terrain, ne pas avoir peur de faire des heures, et surtout aimer ce qu'on fait, quoi. C'est surtout ça, quoi. Super, merci beaucoup, Benjamin. J'ai l'impression qu'on a fait un tour à peu près complet, à peu près précis de ton métier et de ta personnalité. Je demandais à Yves si entre-temps il y a eu des questions, parce qu'il y a quand même 2 514 060 viewers. On est juste derrière le foot de Canal+, là, ça fout une pression, donc tu dois avoir des questions. Alors quand tu as présenté, Benjamin, le trou, là, il y a quelqu'un qui demande, alors, attends, c'est une Deline. Alors, c'est l'effondrement en fait d'une marnière, que je vais essayer de la retrouver. Où est-ce que je l'ai trouvé, celle-ci? Ouais, c'était celle-ci, oui, c'est ça. Alors voilà, ça c'était, je vais l'agrandir un petit peu. Oui. En fait, ce sont d'anciennes marnières en Normandie. Et en fait, on voit en fait les effondrements des anciennes marnières en Normandie, quoi. D'accord. Alors, il y a une question de Justin qui, j'espère que je prononce bien. Bonjour Benjamin, j'ai 19 ans et je pense avoir l'envie de devenir géotechnicien et me demande si au bout d'un moment on ne tourne pas en rond, répétition d'un même travail. Alors, oui, la méthodologie est toujours la même, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'au niveau quand on est foreur, bon, ce sera toujours le même type d'essai. C'est ça, si la peur a cette lassitude-là, c'est ça. Mais les terrains sont tous différents, les projets sont tous différents, donc on n'en fait jamais le tour. Moi actuellement, allez, si je veux être honnête, je suis à 50% des connaissances au niveau géotechnique.
Donc c'est comme je n'avais encore rien appris. Tellement le monde est vaste en géotechnique, en termes d'essais, en termes d'ingénierie et de développement, on est tous plus ou moins spécialisés dans un domaine. Donc les essais sont très différents. Il y a des essais aussi que j'ai pas parlé, les essais laboratoires. Donc il y a à la fois les essais sur le terrain, il y a les essais sur le laboratoire. Donc s'il veut être foreur, il y a beaucoup de types d'essais. Donc oui, certes, la manipulation est peut-être la même, mais les terrains sont tous différents. Donc il n'y a pas véritablement de lassitude à avoir. D'accord. Et en labo, vous étudiez la résistance des matériaux, par exemple, ou... Alors attends, je vais essayer de te mettre des petites photos de labo. De labo, ouais. Hop là. Ok, tu peux nous décrire un laboratoire, en fait, c'est une grande cuisine. Il faut imaginer une grande cuisine. Donc, on y fait un petit peu notre popote, c'est-à-dire qu'on ramène, enfin, les foreurs ramènent des échantillons qu'ils ont prélevés soit par des carottes ou des tarières ou alors directement via des fouilles. Et ce qu'on va mesurer, c'est un petit peu les propriétés mécaniques qu'on ne peut pas mesurer via les forages, quoi. Donc ça, c'est un autre métier, donc c'est un métier aussi interne, propre à la géotechnique, et c'est là qu'on va mesurer toutes les propriétés, par exemple, d'une argile, quoi. L'indice de plasticité, liquidité, tout ce qu'on veut, quoi. Donc là, je sais que Fabrice aime bien tous les outils qu'on utilise, parce que c'est... je crois que c'est un peu sexuel, c'est ça, Fabrice, hein, t'aimes bien ces outils que j'utilise. J'aime bien. Disons que il y a des termes évocateurs, voilà. Sur le terrain, il y a le pénétromètre, il y a le dilatomètre, il y a le pressiomètre. Et en laboratoire, bon, il y a la branleuse et la suceuse, voilà. Oh bah d'accord. Donc on s'amuse aussi. Vous êtes dans le porno, quoi. c'est ça. Dans un laboratoire, il y a aussi des techniciens qui font toutes ces analyses. Vous travaillez dans une équipe. Vous n'êtes pas, t'es pas tout seul, Benjamin, par exemple. Non. C'est pas toi qui dans fais toutes ces analyses-là. Dans les grosses sociétés biotechniques, chaque personne a son rôle. C'est-à-dire qu'on a à la fois les foreurs qui font les essais in situ, les laborantins qui font les essais de laboratoire et l'ingénieur. Donc, c'est l'ensemble de ces équipes qui vont réussir à amener un rapport et amener le type de fondation qu'on va réaliser, quoi. D'accord. Donc, il faut que ce soit soudé. On a souvent l'impression... Alors oui, les foreurs sont mis d'un côté, les ingénieurs mis de l'autre, mais il faut la combinaison de tous ces corps. En fait. De toute cette équipe, d'accord. Vous êtes combien à travailler dans la société, là? Nous, on est pratiquement 15 en ce moment. D'accord. Ok. Bon... Ben, un grand merci à vous deux. Ben, de rien. Très complet. Très et puis complet. Benjamin, merci. Hein. Ouais. Super. Ben, de rien. Super, super. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Alors, normalement, il devait y avoir les livres, etc. Et puis, pour ne pas faire attendre Mathieu, parce que Mathieu, il a un boulot, il se lève tôt aussi le matin. Donc, on va passer à la détermination des roches, voilà, qu'il propose. Donc, je vais mettre Mathieu en ligne. Voilà. Je vais le laisser parler avec Fabrice. Et puis, salut Benjamin, à bientôt. Allez, à bientôt, salut. Voilà, je vais juste faire un peu la présentation de Mathieu. Mathieu, on s'est eu il y a une semaine pour faire un essai de connexion pour voir si avec StreamYard ça marchait bien. Et puis, je t'ai demandé un peu le lien avec la géologie. Et tu y as répondu en introduction du live. Et toi, tu peux dire un peu ton métier, que fais-tu? Alors moi, je suis médecin pathologiste. Donc, ça n'a rien à voir avec la géologie. Et avant de faire médecine, eh bien, j'avais longuement hésité entre géologie ou médecine. Et donc, au final, je fais un peu les deux, puisque je fais de la médecine au quotidien et de la géologie, on va dire, les week-ends, quand on peut sortir, randonner. Ou quand très on peut voyager. D'accord. Bon, je vais te laisser avec Fabrice, puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, ça tombe bien, Mathieu, parce que tout à l'heure, on a parlé du mercure, de l'arsenic. Ah oui. Il y a un lien quand même avec la médecine. Trois roches. Je ne sais pas si vous voyez le... Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, ça, c'est un premier site de voyage. Donc, c'est dans la préfecture d'Okinawa, au Japon. D'accord. Et c'est une petite île qui s'appelle Zamami.
Et sur le bord de la plage, on a fait cette jolie photo, on a retrouvé ce dont on s'est baigné, et puis il y avait ce gros massif, et de ce gros massif, j'ai rapporté ce petit caillou que j'ai humidifié. Je crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a un aspect doré. Alors, je suis pas sûr d'avoir trouvé de l'or, on le voit là sur les images, surtout quand c'est humide. Et j'ai pas de photos sur la tranche, mais j'ai l'impression que c'est un peu stratifié. Puis il y a des aspects un peu blanchâtres comme ça aussi, qui sont inclus. Peut-être, on dirait perpendiculairement à l'orientation des strates. Alors, toute la difficulté quand on regarde une roche comme ça sur des photographies, c'est évidemment on n'a pas le toucher, on n'a pas la, on peut pas se poser, etc. Ceci dit, là, si je me réfère au contexte dans lequel tu as trouvé cette roche, donc au Japon. Le Japon est un arc volcanique. Donc, l'essentiel des roches du sous-sol sont des roches volcaniques ou magmatiques en général. Donc, on peut très bien avoir du magmatique plutonique. Et dans ce cas-là, on verrait des gros cristaux. On pourrait avoir du magmatique filonien. Et dans ce cas-là, les cristaux ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Ou du volcanique pur et dur. Alors, tu peux agrandir tes petits cristaux qui brillent là, parce qu'en effet, ça ressemble un peu à de la pyrite, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau des reflets. Si ça se voit bien. Alors, ça se voit surtout quand c'est humide. Là quand c'est sec, on le voit quasiment pas. Ouais. Et c'est ce qui avait attiré notre regard. Oui, le côté brillant souvent attire l'œil. C'est pour ça que les gens ont peut-être commencé à ramasser de l'or au début. Alors, des minéraux brillants, il en existe plein de sortes. Le côté brillant, ça peut être dû simplement au reflet de la lumière et que ça peut être accentué quand le minéral est humide. Ça peut être des micas, ça peut être, en effet, l'aspect doré ici évoque un peu la dorure de la pyrite. Maintenant, quand je regarde le reste de la roche, hein, parce que souvent notre œil va être attiré par ces minéraux brillants, mais en fait, il ne faut pas se focaliser sur eux, il faut se focaliser sur ce qui domine. Et ce qui domine ici, c'est une roche de teinte sombre dans laquelle on ne voit pas grand-chose, sauf là, j'ai l'impression de voir des traits. Je ne sais pas si tu les vois, des traits un peu plus sombres, hein, qui sont verticaux sur ta photo. Ah, oui, comme ça, ouais. Voilà. Donc, il y a une certaine orientation. Donc là, j'avoue, j'hésite parce que dernièrement, je suis tombé sur des roches que j'ai étudiées à Valette. Alors Valette, c'est une ville dans le 44 et connue pour le muscadet, mais connue aussi pour une roche qu'on appelle un gabbro. Et un gabbro, c'est une roche magmatique plutonique hein, qui est grenue, mais dans laquelle il y a des micro-gabbros. C'est-à-dire c'est des roches qui sont magmatiques filonienne et on ne voit pas les minéraux à l'œil nu. Il faut les regarder au microscope polarisant. Et j'ai trouvé là des minéraux qui brillaient et qui ressemblaient comme trait pour trait à des paillettes de mica. Mais c'est des mica qui possédaient le même côté doré que ceux de ta photographie là. D'accord. Ici. Et c'est en fait en potassant un peu la biblio, ben c'est pas des mica, ce seraient des pyroxènes. Donc là, j'ai deux possibilités pour ta roche. Mais tu as la possibilité de la prendre dans ta main, là ? C'est lourd, c'est dense ? Oui. C'est dense quand tu... Ou pas ? Oui, c'est dense, c'est lourd. Oui. Par rapport au volume, tu as l'impression que c'est un peu... Ouais. Alors, parce que ça pourrait très bien être un... Tu vois, avec les sortes de crénulations que je vois là, ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être un micaschiste, mais dans ce cas-là, j'ai un petit problème par rapport au Japon, à moins que on ait du micaschiste. La tranche, c'est vraiment un aspect stratifié. Enfin, on a des... Ouais, feuilleté un peu, oui. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça qui me fait penser un peu à des micaschistes. Sinon, ça peut être tout simplement un filon d'olérite. Qui possède ces fameux pyroxènes qui ont. Alors, il y en a un qui s'appelle la bronzite. Alors, on va demander à Yves de me prendre ma main, là, et je vais vous montrer ça. La bronzite. Ça ne s'invente pas hein, comme nom de minéral. Alors, voilà de la bronzite. C'est des minéraux qui sont un peu cuivrés, là, qui ont des reflets qui ressemblent à ceux de ta roche. Alors évidemment, ceux qui montent sur Internet, là, c'est des trucs hyper jolis, quoi. Mais faut imaginer que ça existe de plein de sortes, ces machins-là.
Et tu vois, ça fait des reflets un peu comme ceci. Alors là, les cailloux ont été polis et lustrés. Du coup, c'est comme si on mettait de l'eau dessus. Ça donne à peu près la même couleur cuivrée un petit peu. Voilà. Je te redonne la main, mais donc j'ai deux possibilités pour la roche là. Une, ça serait plus une roche métamorphique. Donc avec là, les arguments, ce serait. Les arguments sont assez simples. Ce serait le débit un peu en feuillet de la roche. Et ces petites crénulations, ces petits traits là que je vois moi. Et deuxième option, eh bien, ce serait tout simplement une roche filonienne, une sorte de dolérite qui possède ces cristaux de pyroxène là qu'on appelle des bronzites. Alors bronzite, c'est un terme ancien maintenant, mais et là pour le savoir, il faudrait faire une expertise plus poussée avec l'observation de ces minéraux de teinte cuivrée, ou de faire ce qu'on appelle en géologie une lame mince. Alors, je ne sais pas si Mathieu, tu connais les lames minces ? Ah oui, moi j'en regarde tous les jours des tissus humains. Oui, oui, bah c'est le même principe. Sauf que nous, notre microscope, c'est un microscope polarisant. Voilà. Et donc, ça a la taille d'un sucre. Voilà, c'est ça, la lame mince. On colle un morceau de la roche de la taille d'un sucre. On réduit l'épaisseur. Alors, ce n'est pas des coupes microtomes qu'on fait, nous, mais on polie et on descend jusqu'à 30 micromètres. Voilà. Et après, une fois que c'est à 30 microns, on peut faire passer un faisceau luminé qui est polarisé et on arrive à identifier les minéraux grâce à cela. Voilà. Donc, c'est la même chose que pour tes tissus humains, mais nous, c'est au travers des roches. Et avec ça, bah, là, c'est le jackpot. On arrive à savoir quelle maladie a la roche, ou qu'est-ce qu'elle a comme minéraux et comment ils sont organisés. Et grâce à ça, on peut prouver que c'est A ou B. Voilà. Proposer à mes techniciens alors de couper la roche, ils ne vont pas être contents. Bah non, parce que là, pour faire les coupes microtomes, ça va casser le truc. Hein. Merci. Voilà, j'en ai une deuxième. Alors cette fois-ci, on change de région. Donc c'est en Nouvelle-Calédonie. C'est le Grand Sud. Ouais. Le Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous avez la photo satellite. Donc, c'est un site touristique qui s'appelle la Chute de la Madeleine. À quoi ça ressemble. C'est des roches très très rouges. La nature magnifique. Et il y a un caillou sur le bord du chemin. Alors je l'ai pris parce qu'il était rouge et il avait une bonne tête. Mais c'est bon, alors je ne sais pas trop ce que c'est. On a l'impression d'avoir un conglomérat de quelque chose. Et après, alors avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, comme à chaque fois qu'on bouge, j'essaie de me renseigner un petit peu. Alors j'ai entendu des termes obduction, roche ultramafique, etc., etc. Mais je n'ai pas creusé plus loin parce que ça me dépassait un petit peu. Mais c'était pour savoir. Surtout, alors on était dans le Grand Sud, hein, donc c'était une zone. Vraiment très très rouge et voilà là aussi alors là c'est plus facile pour ça j'imagine que ça a une certaine densité quand même ce truc là aussi. Et en fait ça peut paraître bizarre mais on a des choses similaires en France de cailloux de ce genre là et ce genre de cailloux alors là tu vas me redonner la main Yves je vais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle une altérite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une altérite ? Une altérite, c'est une roche qui est le résultat de l'altération d'une autre roche. Voilà, c'est ça, une altérite. Alors, bon, j'ai pas d'image. Et pour les altérites, on les distingue en fonction des roches de départ. Donc là, toi, tu me citais des roches ultramafiques. Tape altérite roche et tu auras les bonnes images. Ouais, super. Voilà. Voilà, les altérites. Alors là, par exemple, j'ai l'altération de roches de type granit, ça donne des chaos granitiques. Voilà, il y a ce schéma de Robert Vince qui est assez connu. Hein. Robert Vince, c'est un géologue du BRGM. Il a beaucoup travaillé sur les altérites. Alors, il en distingue différents types, etc. Et la grosse difficulté des altérites, c'est de retrouver la roche d'origine. Parce que quelquefois, la roche, elle est tellement altérée que on a du mal à savoir si c'est un hérisson ou un cheval. Donc, ça, c'est une première difficulté. Alors, l'altération aussi, les altérites dépendent non pas seulement de la roche de départ, mais également des conditions d'altération et de la durée de l'altération.
Et il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, alors moi je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais tu peux nous remettre ta photo là, s'il te plaît? Ça c'est la photo. Vas-y. On s'aperçoit que le couvert végétal n'a rien à voir avec celui qu'on a en France. Non. Bon, en France métropolitaine, hein, d'accord, parce que la Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est quand même aussi français. Donc, si vous regardez, là, on a une végétation d'un climat. Alors, tu peux donner quelles étaient les caractéristiques du climat lorsque tu y étais? Alors là, en plus, il y a deux types de climat. Il y a un côté très sec, plutôt sur la côte... qui est plutôt sur la côte, c'est la côte ouest, et un côté très humide sur la côte est à cause de cette chaîne calédonienne. Ouais. Donc là, là, c'était chaud et humide. Hein, En fait, l'agent principal d'altération, c'est l'eau. L'eau, c'est dissout tout, et il l'a dit tout à l'heure le monsieur là dans le podcast. L'eau, ça, avec le temps, c'est hyper efficace pour transformer tes roches en altérite. Et l'eau, combinée avec des températures un peu plus élevées que la normale, eh bien, ça contribue à augmenter le pouvoir d'altération de l'eau. Et il se trouve que dans toutes les zones où le climat il est tropical humide, avec des saisons sèches et saisons humides, eh bien, les roches sont soumises à des conditions d'altération beaucoup plus importantes que la normale. Par exemple, un corps, parce que tu es dans le domaine médical, un corps que tu mets ici dehors, il ne va pas rester longtemps. Alors que si tu mets le même corps dans un lieu où il gèle tout le temps, ton corps il sera mieux conservé. Donc l'altération dépend de la roche d'origine, mais également des conditions d'altération. La roche que tu as là, ici, alors là Yves, je vais reprendre la main, elle a une teinte ocre, et cette teinte ocre elle est liée probablement à l'oxydation du fer. En effet, le fer quand il s'oxyde, et là on pourrait redemander à Jeff. Le fer, quand il s'oxyde, il prend une teinte rouille, comme ça, et il produit des minéraux qu'on appelle des hydroxydes ou des oxydes de fer, tout simplement. Et il se trouve que ce que tu m'as montré là ressemble trait pour trait à ce qu'on appelle un élément de cuirasse latéritique. Des cuirasses latéritiques, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cuirasse latéritique? Justement, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec Benjamin pour la notion de sol. Il se trouve que quand on est dans une zone avec un climat tropical humide, avec une zone mal drainée, eh bien, le fer va être solubilisé et va se concentrer dans une certaine zone du sol. Et on aura donc des horizons qui vont être hyper riches en fer. Et ça vous donne des cuirasses qui sont toutes rouges comme ça. Des cuirasses latéritiques, alors on appelle ça aussi des latérites. Voilà, des latérites, c'est la même chose. Et sinon, en brésilien, on appelle ça des terra rossa. Des terres rouges, voilà, ici. Alors, on a la même chose en France, à certains endroits. Par exemple, vous avez les terres rouges du Lambron. Alors, c'est dans le 63. Je ne sais pas si on va... Je me permets juste d'intervenir. Je mets mon écran. Écran, il est là. Voilà. Ce que tu peux faire quand tu montes, parce qu'on ne voit pas vraiment bien l'image. Tu vois, je suis sur le... Voilà. Non, mais attends. Tu vois, tu cliques dessus, là, sur l'image, et tu mets ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et là, je vais sur le nouvel onglet, ici. Et là, tu peux l'agrandir, si tu veux. Attends, parce que comme je ne vois plus rien... Contrôle plus, plus, là, voilà. Comme ça, tout le monde verra l'image. Tu cliques dans l'image... dans un nouvel onglet, et puis t'agrandis avec CTRL+. Voilà, j'ai juste une petite remarque. Voilà, je m'en vais. Ça marche là-bas? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà, les terres rouges du Lambron. Il se trouve que dans le Lambron, c'est rigolo parce que c'est dans le 63. Alors, c'est avec un E, oui. C'est surtout lorsqu'on a des roches riches en fer qu'on a ça en dessous. Et il se trouve que tout à l'heure, tu as parlé de roches ultramafiques, hein, c'est ça? Oui. Alors, les roches ultramafiques sont des roches magmatiques qui sont caractérisées par justement une richesse en fer et en magnésium. Donc, en fait, là, c'est génial parce que tu étais dans un lieu où tu avais la roche d'origine qui contient du fer et du magnésium, et tu as le climat qui permet de lessiver tout ça et de faire un horizon très riche en cuirasse latéritique. Voilà.
Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est rigolo parce que bah, tu vas me prendre pour un fou, mais j'aime bien aussi écouter les gens pour savoir pourquoi ils ont ramassé le caillou. Tout à l'heure, tu m'as dit que le premier, tu l'avais ramassé parce qu'il était brillant et celui-ci, il était rouge. Et en fait, c'est ça qui est fabuleux. Il faut toujours être curieux et il faut toujours se poser la question, voilà, mais pourquoi il est rouge, pourquoi il est brillant, pourquoi il est ceci. Et c'est ça qui est bien, quoi. Donc, alors, tu avais un troisième caillou ? Oui, un troisième caillou. Troisième roche, oui. France métropolitaine. Je sais pas si vous voyez mon écran. Donc cette fois-ci, c'est en Occitanie, dans le Languedoc-Roussillon. C'est un petit volcan. Donc là, c'est la vue satellite de ce petit volcan. En fait, il y a deux volcans. C'est le Gèbre et le Gibré, que l'on voit de l'autoroute A75, ici. Oui, en effet, oui, d'accord. Donc quand on est en haut, je suis monté dessus avec mon épouse, parce qu'il y a des jolis orgues basaltiques que l'on voit. Et en fait, en redescendant, il y avait ce caillou. Alors, pareil, lui, je l'ai ramassé parce qu'il était tout rond et puis il avait une drôle de tête parce que j'avais l'impression qu'il avait des couches de coquilles, en fait. L'espèce d'organisation un peu concentrique, on peut deviner. Ouais. Et donc là, on voit surtout de la patine et il était bien rond. Et alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, vu que je suis à côté d'un volcan, un truc un peu rond, un peu altéré comme ça. Avec une organisation, est-ce que c'est pas une bombe de l'éruption, d'une ancienne éruption ? Alors je l'ai mis dans ma poche et je suis rentré chez moi avec. Alors j'imagine que là tu as dû le sous-poser parce que je crois reconnaître ce caillou, hein. J'en ai trouvé des similaires. Ça c'est très dense normalement. Oui. Je pense que tu as dû le sentir et si tu avais ton téléphone à côté dans ta poche, bah, tu n'as plus de téléphone. Quoi. Ouais. Alors la patine est blanche. La patine, c'est le nom qu'on donne à la couleur de l'extérieur de la roche. Et c'est là que généralement c'est altéré, quoi. Mais elle semble blanche et ça c'est un indice. Par contre, il y a une zone que je vois sur ta photo où c'est un peu cassé là ici. Exactement. Ouais. Et on a l'impression que ça désquame. Alors c'est noir à l'intérieur, on voit là. Hein. Ah oui, tu l'as pété, ouais. Bah, super. Tu peux l'agrandir, s'il te plaît? Ah voilà, ça c'est l'autre. Ok. Ça c'est une autre que j'avais cassée, ouais. Ok. Eh bien, super. Alors, vu la configuration, donc Occitanie, je ne connais pas ton volcan, hein, mais avec les orgues visibles à la surface, il faut savoir qu'on est dans la continuité de la chaîne des volcans d'Auvergne, là. Si tu fais un trait typiquement nord-sud, tu vas tomber logiquement sur cette zone-là. Et tu as des volcans qui datent soit du Miocène. Alors le Miocène, c'est une période géole qui a commencé il y a 23 millions d'années, qui a fini vers 5 millions d'années. Sinon, le volcanisme, il a continué après au Pliocène et au Quaternaire. Donc là, ce que j'ai vu dans ton caillou, qu'on ne voyait pas bien sur ta photo du caillou normal, là, on voit bien que l'intérieur est bien sombre. Ça, c'est... Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est... Tu peux remontrer ta photo à nouveau, s'il te plaît ? Oui, c'est Yves, je crois, qu'il a la main sur l'autre photo. Ah, pardon. Ouais. Vas-y, Yves. Allez, Yves. Voilà, alors, donc on a l'impression qu'on voit des petits minéraux un peu blanches à l'intérieur de la zone noire. Ok, ça, c'est pas normal. Maintenant, regardez à gauche, là, il y a une sorte de truc qui a l'air de présenter. À gauche, Yves, ouais, sur la patine. Là, il y a un élément qui a l'air d'être un peu anguleux, qui présente une couleur un peu vert jaune, jaune à verdâtre, là, ici. Qui a une texture un peu grenue. Bon, bah, jackpot. Alors, on va aller voir ça. Yves, tu vas me redonner la main, puis je vais vous montrer ça. Hop. Alors, pour le vérifier, il faudrait que j'aille voir sur Infoterre pour aller au lieu exact où il y a ce volcan. Et là, on aura normalement des informations sur l'âge de la roche ainsi que la nature de la roche. Moi, je parierais là pour une basanite, mais bon, à vérifier. Dans tous les cas, la roche que tu as ici, c'est un basalte à nodules de péridotite. Alors,
Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà ce que tu as. C'est ça. Un truc comme ça. Donc, je vais ouvrir la page comme l'a indiqué Yves, en espérant que ça marche. Vous me direz si ça marche. Yves, ça marche ou pas? Bon, ben, je suis dessus, là. Hop. Je vais regarder de plus près cette photo. Voilà, super. Alors, bah Mathieu, tu vas comparer là la couleur verte, tu sais, de ton caillou là sur le côté, avec ouais. Le côté découpé. Bah, tu vois, ça correspond complètement à ça. La couleur interne, c'est celle qui est présentée sur ta photo de droite là, où on voit les taches blanches d'ailleurs ici. Et la patine, si tu regardes le dessin, la photo de gauche là ici, tu vois la patine grise ici. Ouais. Reste à expliquer la morphologie bizarre de ton caillou qui est de forme sphérique. Ou ovale, puisque c'était ta question, est-ce que c'était une bombe? Je ne pense pas que ce soit une bombe, parce qu'en fait, il y a une particularité. Tout à l'heure, tu as montré de belles orgues basaltiques. Mmh. Il se trouve que les basaltes, en effet, lorsque la lave se rétracte, elle peut former des orgues, mais elle peut aussi former des zones où fracturées. Et dans ces fractures, l'eau va s'infiltrer facilement. D'ailleurs, les orgues, c'est des fractures tout autour. Et donc, l'eau s'infiltre là-dedans et va altérer préférentiellement tout le bordure. Je ne sais pas si tu vois ma souris qui bouge en même temps. Je ne vois pas la souris, non. Ah, bah en fait, c'est simple. Si tu prends une patate, parce que tout à l'heure, j'ai mangé une raclette, et que tu coupes ta patate en cubes, et que tu remets tes cubes entre eux, et tu reconstitues ton puzzle de patate, et que tu arroses, bah, l'eau va circuler dans les fractures. D'accord. Et si tu érodes un cube, tu vas obtenir un dé, comme quand on joue au dé. Et si tu érodes encore ton dé, tu vas finir par avoir, devine quoi, une sphère. Une bille. Et en fait, les roches, là, ces basaltes, là, s'altèrent souvent en boules qu'on appelle. Alors, c'est une altération qu'on appelle. Alors, je vais vous la montrer. Nous, en géol, on se réfère à la cuisine. On appelle ça une altération en pelure d'oignon. Hop. L'altération en pelure d'oignon. Et voilà. Donc là, tu as des cailloux ici, des roches qui sont altérées, et ça donne ça à la fin. Tu vois là ton caillou ? Ouais. Et en fait, tu as évoqué tout à l'heure que... Tiens, bah, tu vois, t'en as une là, justement. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais l'impression que c'était des couches comme concentriques. Hein. Bah, regarde la photo. Je ne sais pas si tu vois la photo que j'ai là. Bah, en fait, c'est ça. Ton caillou, c'est le résidu de ce qu'il y a à l'intérieur de ta roche. Donc en fait concrètement tu es sur un ancien basalte à enclave de péridotite visiblement compte tenu du fait qu'il a de la pelure d'oignon et tout ça doit être un vieux quand même. Moi je parierais sur un basalte soit du miocène soit du pliocène. Voilà. À vérifier sur la carte géol. Si Yves me permet, on peut regarder sinon Voilà, donc concrètement, tu es sur des roches. D'abord, félicitations d'avoir été au Japon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, mais c'est une belle opportunité. Félicitations d'avoir ramené ces cailloux. Le tien que tu as là, il est possible que quand tu vas le péter, tu risques de voir des belles enclaves de péridotite. Et de mémoire, je sais que Yves avait fait une vidéo. Yves, tu peux confirmer, tu avais fait une vidéo sur l'olivine. J'ai oui. fait une vidéo sur le living, tout à fait. Ouais. Oui. Qui est l'équivalent du quartz, mais en vert. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes caractéristiques. C'est cassure conchoïdale, etc. Oui. Voilà, aspect granuleux. Alors, pour info, et là, ça peut te faire plaisir, Mathieu, parce que ça, c'est tout ce qui reste du manteau. Tu as des morceaux de manteau dans ton caillou. Ouais, c'est fabuleux, moi, quand je vois ça. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous de 30 km, quoi. Et tu vois, c'est ça que tu as ton caillou, c'est ça. Alors, il y en a en Auvergne hein, de ça aussi. Hein. Il y a la carrière de la roche sautère, pour ceux qui connaissent, à Manzat, M-A-N-Z-A-T, c'est dans le 63. Très belle carrière où on peut trouver ce genre d'enclave,
de basalte, hein, enclave de péridotite, et de mémoire, c'est une lave d'âge pliocène. Voilà. Ça te va, Mathieu ? Merci beaucoup. Ben oui, j'aurais pas pu deviner tout ça, je pense, hein, tout seul. Mais ce qui est génial, c'est que nos métiers sont très proches. Hein, c'est l'observation, et puis après, bah, c'est des hypothèses. Ouais. Après, tout ça, ça se vérifie par des lames minces, par des, en soupesant, en cassant, etc., etc. On cherche, nous aussi, un maximum d'arguments pour essayer de donner des noms ou de faire des propositions sur l'histoire. C'est la même chose. Hein. C'est l'objet qui change, c'est tout. Tout simplement. Ouais. En tout cas, bravo d'afficher cette curiosité permanente, c'est bien. Merci à vous, merci. Bon, plaisir. Mathieu est un abonné fidèle des vidéos, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez, merci, comme Mathieu, nous proposer des roches pour le prochain live, vous utilisez l'adresse mail qui se trouve dans toutes les descriptions des vidéos. Et l'adresse mail, c'est geologique49@gmail.com. Voilà. Et vous passerez pendant le live pour discuter avec Fabrice sur les roches que vous avez trouvées. Alors essayez de faire comme Mathieu, c'est-à-dire de donner le contexte, c'est important. Donc d'avoir la vue satellite, ensuite l'affleurement, puis ensuite la roche. Ça permet une grande aide, tu crois pas, Fabrice, d'avoir ce contexte. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, Mathieu, tu pourras me redonner le nom de la ville. Je vais regarder ça vite fait là, pendant que Yves il continue. Oui, c'est au nord. Pour la troisième roche, hein, la troisième. Ouais, au nord de Montpellier, et le volcan, c'est le Gèbre. Le Gèbre, au nord de Montpellier. Ok, je vais aller voir ça de suite. Je vais aller à Saint-Martin-de-Londres. Bon, bah on va bon, normalement, on devait faire en plus les livres et puis ta métaphore des crêpes. Bah, je crois que ça sera pour la prochaine fois parce qu'il est 23h08. Voilà. On mangera des crêpes une autre fois. On va revoir tout le monde. Loulou, Benjamin. Et puis l'autre Jeff, bah, il est tellement modérateur qu'il n'est plus en ligne, là. C'est vraiment dommage. Ah bon? En tout cas, dites-nous si ça vous a plu, ce live. Je ferai un sondage dans la communauté pour savoir si vous aimez plus tel point ou tel autre point. Moi, ça a été un vrai plaisir partagé avec Mathieu, avec Loulou, avec JF, j'en oublie, et puis Benjamin. Voilà, si vous connaissez des personnes qui sont dans la géologie, qui ont soit universitaire, soit géologie appliquée, vous nous transmettez leur adresse et ça sera un vrai plaisir de présenter leur métier parce que je crois que c'est important. C'est un live qui est suivi par beaucoup d'étudiants et je crois que ça permet de faire des ouvertures sur les métiers, vos métiers futurs. Voilà. As-tu trouvé, Fabrice, ou pas, un fauteuil ? Pas encore. Attends. Pas encore. Alors, okay, alors attends. J'ai pas mal de volcans qui sont signalés au nord. Par contre, attends, il manque la commune. C'est le volcan de la Madeleine, Mathieu, je crois. Non, c'est ça ? Non, c'est le Gèbre. Gèbre et Gibré. Gèbre. Il y en a deux. Ils doivent être à 100 mètres l'un de l'autre. Attends. Ah, Jeff le Simiste, gros souci de connexion. Bonne soirée à tous. Bah oui, il se trouve dans le. Ouais. Alors, c'est où par rapport à Saint-Martin-de-Londres, ton truc ? C'est au nord de Montpellier, hein, tu m'as dit. Ouais, c'est au nord de Montpellier. Ah, attends, j'essaie de le trouver. Rabieux, au nord de Rabieux. Le village le plus proche, c'est Rabieux, R-A-B-I-E-U-X. Ok, alors là j'ai pas mal de volcans qui se situent plus à l'ouest de Montpellier. Rabieux, R-A-B-I-E-U-X. Ok, je file là-bas. Ah, il connaît pas. Est-ce que tu as un autre village ou une autre orthographe peut-être ? Rabieux. Tape Lacoste, Fabrice. Lacoste ? Ouais, c'est au sud de Rabieux. Très bien. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai au programme là ? Mathieu, t'es pas loin du lac du Salagou finalement ? Exactement, oui. Oui, oui. Ouais.
Ouais, bah, Mathieu, quels sont À l'est du Salagou. T'es à l'est du Salagou. Tu connais Benjamin, le coin ? Non, je suis en train d'en regarder, mais là, tu vois, moi, je me suis mis directement sur Google Earth, moi. Ah bah attends, ouais, bah, je vais mettre ton écran. Bah écoute, j'ai ce qu'il faut, voilà. Là, il y a du basalte partout. D'accord, bon bah je te remets. Attends, tiens Mathieu, essaie de me guider, je vais mettre la carte géologique après. Alors attends, je vais revenir à côté de Rabieux, qui est ici. Et est-ce que tu vois à peu près où est-ce que tu étais ? Ouais, sinon il y a Salel. S-A-L-E-L-L-E-S, et c'est à l'est de Salel. Je pense que c'est le plus proche, Salel. Ah, attends, je vais taper. Là, j'y vais. Salel, je l'ai. Sinon là, si vous avez mon écran, j'ai ma Google Earth. Ah, tu l'as, d'accord. Voilà. Ici. Attends, je regarde. Je me mets sur le truc de StreamYard. Ok. Ah oui, mais moi, c'est parce que j'ai cherché la carte géol. Alors, c'est Salel d'Aude, mais il veut pas y aller, lui. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, à la coste, j'ai ce qu'il faut, là. Il y a pas mal de basaltes qui sont mentionnés. Et sur la carte... Ok, je vais chercher I, information. Et donc, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des projections... Bah oui, c'est la même chose que le Cap d'Agde, en fait, c'est les... Basalte effusif, coulée basaltique, rien de plus, okay. Plié au quaternaire, ouais, bah ça, basalte effusif, coulée basaltique, de l'escandorgue, plié au quaternaire, ouais, ça ressemble complètement à ma coulée que j'ai trouvée moi à la Roche-Sauterre, sur la commune de Manza dans le 63. Donc c'est du volcanisme qui est en lien avec la chaîne des puits, mais beaucoup plus au sud là. Voilà. D'accord. Bon, pour Benjamin, j'ai une dernière question. Vas-y. Il y a quelqu'un qui Lila qui demande. Pardon. Bonsoir à tous. Quels sont les modules essentiels pour un géotechnicien ? Alors je sais pas ce que module. Module sans doute à la fac, je ne sais pas. Oui, surtout à la fac. Je dirais le plus important, géologie de terrain. Géologie de terrain. Après, je dirais physique et maths. Malheureusement, physique et maths. Parce qu'on va retrouver la géophysique et tout ce qui est propriété mécanique des sols. Si on veut faire des calculs de tassement, de nombreux calculs, il faut faire des maths et de la physique. Bon, si je veux quand même la rassurer, on a toutes les machines informatiques qui font le développement directement des essais, quoi. C'est là qu'on fait plus trop les calculs à la main. Maintenant, on a quand même des petits logiciels qui font qu'on a nos résultats directement, quoi. Mais je dirais géologie de terrain parce qu'il faut quand même connaître de nombreuses roches. Il faut quand même connaître les propriétés mécaniques des roches, la physique et les maths. Très bien. Bon, bah moi j'ai passé une super. Alors, bah qu'est-ce qui. Ah oui, t'es juste devant le canard. Canard. Je suis désolé, t'es devant le canard. Bon allez, moi j'ai passé une super soirée avec vous. Je vous remercie tous. Et puis, à bientôt les géologiques. Voilà, je vous laisse dire un petit coucou. Merci. Salut. Allez, salut tout le monde. Bravo. Salut tout le monde. Salut. Allez. Salut. À bientôt. Au revoir.